million de gourdes disparaissent. Sous 1600 chèques, eh bien, c'est seulement 913 yo jouen. Eh bien, dans Kassa, paquet Okay, ap chaché, t'en couché fou. Nobenson, La Roche. Deuxième individu, c'est Bully Maki Moïse. Et troisième individu, c'est Grégory Marcelin. Nous pral présenter ou image yo. Kote ou et trois individus sa yo, pas hésiter, mare yo, mene yo bay la justice. Président Conseil intérimaire Mouria, Élisée Blaise, jouen arrestation, m'a dit 11 juillet après audition devant juge Francisco Mackenzie Boplan dans dossier assassinat, maître André Cherleus. Élisée Blaise, qui accusé comme moun, qui était dans complot assassinat, maître là, qui tombait en bas balle, assassin, dans date qui était 12 avril 2023, kou elle y est là, magistrat a réfléchi derrière quatre mirailles. Mesdames, mademoiselles et messieurs, toujours, dans ma dit 11 juillet 2023, c'était journée mondiale population pour marquer date ça. Gouvernement haïtien, ak patnel yo lancé rapport sous état population mondiale là sous thème un horizon infini de possibilités défendre des droits et des libertés de choix. Document sous état avancement population mondiale là parlait de 8 milliards moun kap vivent sous la terre. Alors que dans pays d'Haïti, gagné 12 milliards habitants kap vivent sous tibout terre d'après statistiques pour l'année 2023. D'après responsable dans gouvernement qui croit c'est une nécessité pour système santé à contrôler, pouvoir faire petite citoyen pour éviter chiffre la augmenter. Ancien sénateur Nenel Kassi, encore une autre fois, t'as devant juge Wilner Morin, eh bien, yamadi a peu pas ici dans quatre dossiers corruption qui impliquaient ancien directeur BM Padla, Patrick Noramé. Après audition, avocat ancien sénateur Jean-Renel Francin te dit client innocent dans dossier et fait qu'on est Nenel Kassi toujours apprêté, disponible pour la justice. Dirigeant ensemble, parti ak organisation progressiste, exige gouverneur Banque Centrale là, Jean Biden Dubois, bon Jean explication. Information kap sikile comme quoi yo ta pirate BRH, yo critique responsable dans Banque Centrale, la cause responsable dans banque yo ap commettre yon série de dérives dans système bancaire haïtienne. Mesdames, mademoiselles et messieurs, et cause yo pas fini là. Hier, gagné ancien sénateur Anacassis Jean Hector qui t'a répondu une question sous dossier assassinat président Jovenel Moïse. Sans oublier, yon gros responsable nan tabar, eh bien, avili encore une autre fois ancien sénateur Boplan nan jou passé yo qui te fait qu'on est bandit et envahi la kaili. Ou pral tande déclaration pasteur. Bienvenue dans journal tout haïtien connecté, c'est fou qu'aux amis info pas ou accès vert qu'a présenté ou édition ça. Bonjour, bonsoir tout le monde qui j'ennuie. Encore une autre fois, m'a dit merci. Merci parce qu'on fait une confiance pour nous informer ou, et merci pour fidélité ou avec patience ou. Merci parce qu'on like, merci parce qu'on abonne et merci parce qu'on partage vidéo, ça fait nous plaisir en pile. Encore une autre fois, si vous tombez sous channel là, pas hésiter à activer cloche notification pour là pour pas rater aucune vidéo. Zami Pau Foucault. Zami Pau Foucault qui rentre la caillou pour yon lot édition spéciale. Mesdames, mademoiselles et messieurs, eh bien, paquet Okay a cherché trois individus. Non individus sa yo, c'est Nobenson, La Roche, gade image la la peuple haïtien. Deuxième individu, c'est Bully Makli Moïse, gade image la, gade le bien. Et non seulement ça, tout troisième individu, c'est Grégory Massena. Eh bien, messieurs sa yo, yo t'a détourné yon total de 14 millions de gourdes. Kote ou quoi c'est ensemble avec yo. Gardez visage yo bien. Mare yo bien mare. Et puis s'entendez ya. Rele autorité yo pour vin. Prend monsieur sa yo pour yo al di ki kote 14 millions de gourdes sa li fait.
Chay saute sous tête, li tombe sous épaule. Dans cadre d'une cérémonie ordinaire ministérielle Institut Théologie Libre, te réalisé pendant week-end qui saute passé, président parti politique Réveil Haïti, Maurice Lapierre profite occasion pour parler sous attaque civile qui te fait la Kaili dans date qui était 8 juin 2023 et l'idée numéro 1, parti politique là, profiter de menti toute information qui te fait quoi? C'est qu'un ancien sénateur nord-ouest là, Evalier Beauplan, qui t'a subi attaque neg exam. Pour plus de détails, mesdames, mademoiselles et messieurs, en écoutez déclaration pasteur. En faisant 3h30, on prend 4h, et puis on entre la canou, il dit nous comment nous pour ouvrir barrière, nous pas ouvert. Et puis finalement, le nouvel de nous, nous voulons ouvrir barrière là. Et ils montent les barrières, ils ouvrent pour l'autre. Et puis, ils sont en cartouches qui commencent à passer dans toutes les fenêtres, dans toutes les portes. Mm-hmm. Si bon Dieu pas là, nous sommes sûrs que moi-même, madame, moi, petite, moi, nous sommes tous là. Et si bon Dieu pas là, nous sommes sûrs que nous avons des problèmes. Nous avons des parce que nous saisis, nous sommes capables de chuter à la carrière, on va être confortablement. Et puis, l'on regarde, on tombe dans la couche. Et ça, c'est ça que nous ne comprenons pas. Tout le temps, le peuple ne va pas mettre tête ensemble. Et les gens qui doivent mettre tête ensemble. La gars, ça a privé tout le monde presque l'un après l'autre. C'est l'un de mettre tête ensemble, nous venons faire force et puis nous allons stopper la gars. De façon que le peuple soit suspendu mourir. Parce qu'en pile, forcément, on est innocent qui a payé. Pas qu'on est non, mais il y a un pile de monde qui pose une question. Il y a des gens qui me disent est-ce que vous pensez que c'est vous qui voyez ceci, vous voyez cela? Je ne sais pas. Mais on sait pas que je me dis le temps a prouvé qui est-ce qui devrait faire ça. Vous comprenez? Parce que je ne sais pas si c'est moi qui mourir. Pour ne pas être dans la radio pour faire qu'on est que c'est la Kaili, c'est Elise, c'est ceci. Par contre, les gens qui ont pensé que tout le monde est en train de voir encore pour me défendre. Ils sont pas comme ça. Mais pendant ce temps, le temps a prouvé exactement ça que fait, comment elle devait faire et qui est-ce qui est derrière. Le ça fait. Nous, nous avons une sécurité, mais ils se postaient. Et puis, ils ont quitté la cour. Mais ils sont dehors. Et le chablin de la police, ils ont reçu une visite après deux temps. Et nous avons perdu longtemps. Mais nous disons bon Dieu merci. Que vous êtes venu et vous faites deux heures de temps avant de faire tirer avec la police. Toute porte carrément, toute fenêtre percée à tout bas. Et là, ça a tout, nous, ils ont recommandé nous pour nous quitter. Nous quitter. Et puis, dans demain soir, ils sont venus, ils ont pris là. Dans demain soir, ils retournent, ils sont entrés dedans, ils font ça, ils gaspillent là. C'est là carrément, ils sont entrés, ils ne sont pas entrés là, carrément. Vous comprenez? C'est là carrément, ils sont entrés et c'est moi qui ai venu tuer. Mais pendant ce temps, il y a toute photo que je suis capable de montrer, la presse. On connaît que je même fait photo barrière, monsieur, pour montrer que la barrière était saine. Il n'y a pas de bon troubal, pas de plein troubal. Et puis toute fenêtre, toute porte, toute bonne cabane, c'est exactement cela que je suis capable de montrer. Et nous sommes obligés de mentir sur ça pour ne pas aller trop loin. Après ça, qui démarche ah, nous avons entamé la démarche, la police, les CPJ, tout ça. Oui. Le président qui est mourant, nous avons toujours dit comme ça que nous voulons élection. Mais côté que l'insécurité, hein, qui s'accueille l'île pour aider l'élection parfaite. Et ou bien s'il fait, pour le faire pour yon moun. Ça veut dire pour juste kidnapper. Mais pendant ce temps, quand même, nous connaissons qu'il faut que l'élection soit faite. À la traque pour la vécaïté dans le pays ici là. Eh bien, frères et sœurs bien-aimés, sénateur pas de jambes victimes. C'est pasteur bandit te débarqué la caille. Bon, les sénateurs ont couru pour les réseaux sociaux, pour la radio, dit que yo attaqué la caille, ils sauvé des justesses, c'est la police qui vient sauver, etc. Si toutefois les sénateurs ont été victimes, qui est-ce que ça a fait mal dans la République? On a dit comme ça, vide l'huile dans la tête mon, pour tout y est chrétien vivant, nous qui l'oublions, papa ici. On nomme Campbell dit vide l'huile dans tête monde pour moun mourir et puis kounya la bandi ta attaqué la caillou nous tande bandi victime kounya la nous pral prendre la peine pour ou à la traka pour la vécaïté papa. Mesdames, mademoiselles et messieurs, après marche la te fin organisé dimanche qui était 9 juillet, divers citoyens dans capitale là réagissent sous marche internationale. Ça moi invité ou tande déclaration de nayou. Nous avons un problème de leadership. Problème de leadership qui nous gagne, hein? Nous qu'on aime te dire nous ça la fois dernière. Moi te dis nous comme ça que c'est pas seulement en matière de politique que conseil international ça, pour ne pas dire Occident, que hypothéquer nous. Occident hypothéquer l'avenir nous, que ce soit de manière religieuse, que ce soit de manière politique, de manière environnementale ou autre.
Je dis là m'pa croire que c'est organisé marche qui va venir dire que paysan l'a changé. Oui, c'est vrai que nous connaît nous pas capable justement discréditer foi chrétienne quel que soit chrétien qu'il y a ou bien quel que soit citoyen qu'il y a, mais faut comprendre que hier au cours de semaine ça nous ca remarqué nous voit que Israël a testé missile. Je dis là m'pa croire que changement paysan il dépend de non seulement de marche, il dépend de aller l'église au lieu nous ouais que on pasteur offre nous pour que l'abdou n'a fait 40 jours de jeûne. C'est vrai que de manière spirituelle on a besoin des prières, mais par contre au lieu on pasteur a pour 40 jours 40 nuits jeûne, mieux vaut que pasteur ça lui-même lui baille une formation de professionnel à travers des jeunes qui pas gain métier dans main, à travers des citoyens nous t'a dit qui ont même pas gain moyen pour voir petit à l'université, mieux vaut que vous fait 40 jours de jeûne ça, plutôt non seulement chercher un moyen pour que vous payiez des facultés pour des séries de jeunes en Haïti, parce que nous avons remarqué, nous comprenons. Prenons l'exemple depuis 1er juin, rentré sud capitale là, il est bloqué. Ça a presque environ 2 ans et demi. Il des parents, si vous pas sorti, il n'a pas mangé. Il des parents, tout il en est de même, si vous pas sorti, tout seul n'a pas payé. Ça fait pasteur Grégory Toussaint lui-même personnellement, pas dit bon, nous connaissons problème dans le grand sud paysan. Ça qui pas capable manger, ça qui pas capable voir petit tout l'école, ça qui pas capable payer caille pour que chaque fait pas venir étaler quelques école professionnelle. $1 million ça l'on calcule combien de l'école professionnelle qu'il t'a capable au moins mettre sous pied justement pour nous capable ouais qui ça nous t'a capable sortir pays dans situation de crise de marasme que lié là. On croit que $1 million ça t'a petit le peuple haïtien en pile, il t'a petit l'institution policière là, il t'a petit l'armée d'Haïti. $1 million ça, il t'a aidé nous en pile. Et ya, c'est tout à fait normal pour tout haïtien t'a capable d'accord. Bien dit oui, tout ça qu'a fait. Mais c'était un monnaie moi pas dans secteur vaudou, c'est un vaudouisant qui t'a fait un bagage, depuis le capable utile pays ya, nous devons marcher là-dedans, nous devons d'accord. Donc pour marcher là qui sont fait là, nous capable dire c'était déjà une initiative nous qui belle. Mais il y a pas quelque moins moi qui tape important, c'est ta réduire dans coût marche là, parce que oui nous marchons en pile chrétien marché, monde qui pas chrétien marché déjà pour Haïti et n'attend résultat, nous toujours attend jusqu'à présent n'attend et dans moment en tant que chrétien délivrance Haïti à nous pas comparer pour nous dire même je n'attend Jésus-Christ tourner n'attend pour Haïti délivrer, non c'est nous mêmes haïtiens qui pour mettre ensemble pour payer capable soutenir sa guerre. Donc nous capable dit pasteur Grégory, il était capable toujours faire marche là, mais il était capable du dans cour yo, par exemple mayo yo qui fait la comme ça était capable utiliser. Par contre nous même nous ouais étape au prince et en bas la ville. Donc comme ça, il était bien pas capable faire assainissement dans tout pays, hein, mais il était capable au moins toucher quelques zones pour capable faire nettoyage. Donc il a le temps pour secteur protestantisme ou bien le christianisme, parce que moi pas me détacher avec catholique là, parce que c'est toujours le christianisme. Pour yo capable mettre mais ensemble pour faire bagaille qui palpable, qui ca vraiment pour ton résultat pour nous well pour pays, parce que Haïti pas délivrer seulement dans la prière. Oui, nous prier, nous besoin que Haïtien changer, nous besoin mentalité Haïtien changer, mais c'est pas seulement la prière qui a fait yo bagaille pour pays. Donc il a le temps pour moi pour nous mettre ensemble pour nous faire action. Une action vraiment capote des résultats, parce que nous sommes des riches en agriculture, nous agricole, nous sommes capables de faire une action là tout. Mais bon, pour un bail qui est plus léger, qui est plus simple, même si il est vaste, c'est l'assainissement. Donc, je crois que pasteur Grégory est capable de toujours faire une action pour assainissement dans le pays, surtout dans la zone de la ville. Donc, c'est ça que moi-même, je trouvais qui était vraiment important qu'il est capable de faire. Dirigeant de la Confédération nationale vaudouisant haïtien, KNVA, confirme choix M. Newton Saint-Just pour aller représenter secteur vaudois dans KEP, Cap Moutea. Vidéo qui tape si qu'il est sur réseaux sociaux, c'est une cérémonie engagement M. Newton Saint-Just apprend devant loi yo, ensemble avec dirigeant KNVA qui réclame présidence, eh bien, mettre là dans tête KEP. Yon reportage ensemble avec Kimberly. Gagné une vidéo qui t'a fait hit sur tous les réseaux sociaux. C'est Maître Newton Louis Saint-Just qui t'a pris un grade dans une organisation vaudou qui s'est entraîné dans la Coupe Gros Monde. En plus, le vaudou, ils ont fait. Nous autres,
comme dirigeant secteur vaudou, hein, nous assumons la vidéo qui a circulé. Nous disons qu'elle n'est pas offert. Nous assumons le choix de mettre Newton Louis Saint-Just comme nouveau représentant secteur vaudou dans le CEP. Alors, ce que nous avons en correspondance, grâce à invité à IKNVA, Jackson Pierre-Louis, qui a adressé à Premier ministre Dr. Ariel Henry dans la date 18 février, a contesté la décision qui était prise d'après lui, qui n'est pas formelle pour désigner mettre Newton Saint-Just comme représentant secteur vaudou dans le conseil électoral provisoire. Environ 5 mois après, responsable affaires politiques et juridiques à NVA, M. Alex Compa, dit choix sa fait suite à concertation qui fait entre toute organisation qui gagne dans le secteur vaudoua dans tous 10 départements géographiques pays qui tombent d'accord avec décision ça. Nous autres de la KNVA, Royaume Vaudou d'Haïti, Central département de l'Artibonite, nous chita avec toute organisation vaudou dans le pays à travers les 10 départements du pays pour aboutir au choix de notre frère, notre ami, notre fils, mais Newton Louis Saint-Just comme notre seul représentant du secteur vaudou au CEP. Maintenant, son choix qui fait démocratiquement, toute organisation vaudou, il y a d'accord, et toute organisation vaudou qui va être arrivée à ton choix, nous fait un pèlerinage à travers notre organisation pour chiter avec Mounio, pour la nécessité pour la valeur sûre comme Newton Louis Saint-Just qui représente le secteur vaudou au CEP. Donc c'est fini, Newton Louis Saint-Just est notre représentant au CEP. Cependant, responsable de NVA dit, il n'y a pas de cause même KEPA, mais plutôt c'est poste président qui a cherché, ça qui d'après yo a mené vers une élection crédible dans le pays. Nous partons de la présidence du CEP. Nous allons de la présidence là, nous disons le secteur, comprendre la situation. Bataille Sagela, à partir de 2017, avec le dernier CEP de l'Europe dans l'espace de l'élection, je dis à ces garçons qu'on soit pour monter terrain ça, et c'est mon qui est crédible pour qui monte, c'est mon qui est honnête dans la société. Nous disons c'est président conseil électoral là, pour nous gagner. Pas pour question, pas président. C'est clair que le secteur vaudouin, débrouille nous finissons par nous camper d'elle. Dirigeant KNVA, dit choix yo fait juste. Puisque selon eux-mêmes, M. Newton Saint-Just, c'est un homme de loi qui n'a aucun grain de nos carrefèves. Nous choisissons un monde qui est crédible, qui est honnête pour dynamite, monsieur, pour compétence. C'est un monde qui dit oui, il dit oui net, et il est engagé dans la bataille, il la donne à toute colle et toute namni. Et c'est un monde qui a boumé contre corruption tout en dans le pays. Le président est un monde qui est valable, qui est conséquent, qui est honnête. Nous sommes capables de gagner présidence. C'est un peu. Et je pense que tout comme nous, j'ai des blancs. Nous avons une validation. Nous avons gagné présidence. Le secteur vaudou n'a pas suspendu subir toute forme de discrimination dans la société. Il y a un causé délégué national KNVA, Junior César, critiqué pendant les mandats de tout l'autre secteur pour valoriser le respect de droit secteur vaudou. C'est nous-mêmes, secteur vaudou, à travers les ancêtres, nous avons été gourmés pour nous retirer le pays dans l'esclavage. Journée aujourd'hui, nous disons que faut que nous sous table de négociation dans tout ça qu'a fait. Et nous disons l'autre secteur autour, suspend dans la question y a entré dans les affaires secteur vaudouan. Dans le choix secteur vaudouan a fait. Suspendre la stigmatisation, ce n'est pas possible en 2023 pour vaudouisant à subir stigmatisation toujours. Journée aujourd'hui, secteur vaudou a décidé de lever camper pour montrer ça est utile dans la société. C'est raison ça qui fait yo annoncer yo pas seulement rester sous causé conseil électoral provisoire mais tout yo espéré travail pour mettre empreinte yo dans maman loi pays pendant yo dit y a continuer avec tout rituel yo pour secteur vaudou capable jouer vraie place li dans société a. Aujourd'hui on nous dit nous-mêmes c'est nous qui pral devant loi yo, c'est nous qui pral devant jouk yo pour que pour nous mander poste nous besoin. Kimberley Wanyak, TAC 509. Et gagné secrétaire général ensemble parti avec organisation progressiste là Edzer Jean-Louis mandé gouverneur banque centrale là Jean-Biden Dubois pour fournir explication sous information qu'a circulé comme quoi yo t'a piraté banque centrale. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, militants politiques l'ont annoncé présent sur sous-béton pour exiger démission Jean-Biden Dubois dans tête BRH. Pour plus de détails, en nous tendant le micro, TAC 509. Personne qui est pas nié. Après nous-mêmes, en soi, moi, en étant que secrétaire général de POP, nous capables de dire pour toute population capable de nationale comme internationale, dans la radio, dans la télévision, dans les réseaux sociaux, nous sortons dans le silence nous. Pour nous faire correction, avec ça, pour nous faire correction, parce que nous vivons de nos cas, nous ne sommes pas capables encore. Et bien, c'est dans ce sens-là, nous-mêmes nous disons, je dis à la pirater les banques,
nous pas gen moun qui dit rien. Je dis à souvent chaque al nou bok l'arrivé chaque la vol pour plusieurs jours d'ailleurs avant pour moun rejoindre Kobio. Et je dis à nous dit tout. Donc Jean-Baptiste Tibo a explication avec la population. Parce que réserve de la République, peuple haïtien, c'est BRH. Malgré yon dit yon courir, mais yon dit tout problème ça résout déjà. Et pourtant, peuple a tout un problème pirate. Et bien nous-mêmes, qu'est-ce qu'on a demandé? Je veux dire, si son bataille qui fait non international, non national, pour qui ça va barrer les ILCC, pour qui ça va barrer les BAF, pour qui ça va barrer les ICREF, pour qui ça va le commissaire gouvernement par en branle, pour qu'il pose Jean-Baptiste Tibo la question. Sinon, si Jean-Baptiste Tibo n'a pas eu explication depuis Ouattara, et eh bien nous ne pouvons pas mentir, nous-mêmes nous ne pouvons pas voler notre tête BRH. Je dis malgré Jean-Baptiste Tibo ça, il ne sait pas l'argent, il ne sait maman l'argent, tout le monde sait notre pied coupé, je dis même les pays à craser, pas de président, pas de sénateur, mandat Jean-Baptiste Tibo a fini, et bien je dis à déchapper pays avec l'argent nous dans BRH pour les amis personnels. Mais c'est dans ce sens-là que nous avons adopté Ariel tout, vers les yeux tout. Sous question, ça va dire oui. Et bien, ces bagailles, ça, nous ne sommes pas trop loin. Nous-mêmes, nous sommes habitués à aller devant Banque, nous disons BRH qui met ton, Unibank qui met ton, Fongement qui met ton, BIH qui met ton, BFC qui met ton, Capital Banque qui met ton. Parce que je dis à nous, Jean-Baptiste Dibois, qui se régulate tout Banque, c'est comme si un morceau éponge, il vient tout un morceau éponge qui tombait dans l'eau. Libébel pas capable et puis wa tra jap tête à travers nan bok pal la côté li même celle qui clé tout à matin clé tout après midi et bien nous dit li même li dormi sous l'argent nous même peuple haïtien faut que li bay peuple haïtien yo réponse de tout wa tra jo qui va sorti qui est qui fait yo sinon nous mandé le get out non zone nous pas accès pour demander départ hier et jodi a n'a dit pour l'histoire pour la vérité maître Edgar Jean-Louis secrétaire époque secrétaire général EPOP pas dans opposition avec Dr. Ariel. Ni le soleil, ni le pluie. Parce que bataille ça nous fait déjà. Et je dis à son bon vice qui jouit de tout privilège, tout le monde, journaliste, militant politique, qui bataille, Negio, c'est pour comptabilité, nos besoins. Depuis Negio, on donne une belle machine, ils ont une belle machine, ils ont une belle caille, ils ont voyagé, ça fait tout le monde qui a dormi à la belle étoile. Et je dis à nous-mêmes, dans l'opposition, au sein de l'opposition, nous liés là. Dans le temps, il y a la pour faire là avant l'élection, nous demandons pour sécurité capable de Kaba. Et je dis à Fort Grand Goût capable de Kaba. Malgré nous liés deux ans là, nous-mêmes, nous sommes partis près notre accord. Parce que nous-mêmes, nous pas de jambes dans l'accord Montana, nous pas de jambes dans l'accord dans la rue. Parce que je dis à nous, c'est en Haïti, nous avons dans le boucaille, il y a quatre pour le mettre tête. Il y a quatre mondes, nous allons mettre tête du premier ministre, nous allons mettre tête du président. Nous-mêmes, nous ne pouvons jamais accepter. Avant Jovenel mourir, nous-mêmes, Jovenel vient mourir, nous avons dit opposition personnellement, pas qu'il y ait opposition. Les gens qui ont vu la personnellement, ils ont vu le peuple déjà, il faut qu'on ait la population. Dans la mesure où je dis à Ariel, il y a deux ans, lui-même, il n'a pas résolu le problème de la population. C'est lui-même qui connaît, parce que je dis à quelle que soit la condition, nous-mêmes journalistes pour la presse parler, pour téléviser, nous ne pouvons pas dire jour Ariel parler, nous ne pouvons pas dire combien de temps il est là, pas combien de temps il est là. Dans la condition, nous avons des gens qui disent que c'est Ariel Henry qui est Jovenel. Moi-même, je dis que Dieu qui a dit ça, nous avons Ariel pour voir, pour mettre la avis. Parce que je me dis, ou même quand je dis que tu es Jovenel là, c'est dans la cuisine de ou son témoin qui a été de là tout. Mais je veux dire, c'est pour l'une des raisons, nous même question à poser chaque jour, docteur Ariel dit qu'il y a un remaniement là fait, ministériel là fait, l'a changé directeur, l'a changé magistrat, l'a changé Kazek, l'a changé Azek, l'a changé délégué, l'a changé tout le bagaille. Mais je veux dire, nous demandons qui ça l'a donné. Parce que dans la politique, ou pas qu'il gagne 100%. Nous nous jouons non, aller avec lui. Et puis tout l'autre monde a venu nous contrôler. Merci la presse. Gagnez tout dirigeant émergence patriotique. René Civil fixe position sous crise sans pareil qui a bouleversé le pays. René Civil qui accuse un groupe moun qui parle les crises la résoudre, lance un appel by tout haïtien conséquent pour yon prendre destin yon en main pour retirer le pays dans la situation trouvée. Li te parle dans le micro TAC 509. Samuel a
li vraiment crucial. Son seul groupe moun ka sofo kon sa, c'est majorité a. Moun ki nan secteur privé des affaires puisque gen insécurité, yo pa fè quantité kòb bou yo te fè, mais yo fè dans l'autre sens. Moun ki nan société civile, USAID, Union européenne, toujours bay kòb bou projet yo fèt et kounya gon kòb ka bay pou ke yo kont la violence, yo fè violence sa kounya a décaissé kòb pou violence. Majorité moun k'ap soufri c'est jeunes femmes, jeunes garçons ak moun nan quartier populaire yo pa travay, ki pa ka acheter, moun nan sud de gen pou ta pote manger pou yo, sud la bloqué, moun nan le nord te ka pote on ti bagay pou yo nord bloqué, koun ya même nan l'ouest nan mitan, y a pas ces misère. Ki donc moun ki pou ta résoudre crise yo, c'est moun ki t'ap soufri yo, yo pa yon capacité pour ça. Non seulement yo pa bien manger, yo pa bien dormi, mais en face zam, yo pou ko ramasser force yo pou yo révolter. Et m'espérer ça a privé. Ou konn sa ko arrivé là, ou Gutierrez vini. Gutierrez vini lui-même, li vinn passer moun nan bêtise. Gutierrez vini pour le café PDM ni parce que le nèg l'a dirigé Nations Unies chaque l'elle voyager le compte PDM il l'a dirigé le besoin cop dans poche li mais en plus faut gen crise dans ti pays yo faut gen crise pour permettre li fait cob là à pas la France a boulé qui sortent de l'ONU dit c'est gros pays il va faire cob là Haïti il vini pour faire cob là et puis il vini il dit moun yo chita et là j'ai conscience ici après hier l'a sorti là dans CARICOM l'a vini l'a choisi des trois amis et puis il change un gouvernement ils font remaniement. Ou après le charger quelques magistrats, li mette quelques monde et puis ou après le terrain cassé et un bon matin blanc ça le bras le fait pour la fait nèg gazam yo entend yo ou ka levon matin là ou lever ouais Matisse en ouvert ou ouais l'autre bord là ouvert et puis tout danger ou dit comme ça nous entend nous et puis ou dit tout nous met dans quartier populaire ou et puis blanc débarqué avec deux trois soldats là et puis il fait élection le met en monde encore et puis après un an crise là rebondit même gens parce qu'ils sont complot contre Haïti. Depuis la rencontre de janvier 2003 au lac Mitch au Canada, sous le lac Mitch au Canada, qui crée un groupe qui pourrait administrer le pays Haïti pour la communauté internationale, depuis lors, son plan, son programme contre Haïti, perspective n'est pas de nous, plan de changement n'est pas de nous, décision n'est pas de nous, résolution crise n'est pas de nous en partie. Yo de la communauté internationale à travers le groupe avec employé le gain ici yo qui donc pour nous sortir là mais ça pour mon sérieux dans pays à faire monde qui pas veut faire politique qui sérieux yo jeune femme jeune garçon pas quitter pays à groupement politique ou bien projet politique qui décide mettre Haïti camper faut mener un combat pour nous reprendre souveraineté pays à et nous pas prendre tout d'un coup parce que est-ce qu'il y a des armes pour nous faire la guerre avec yo est-ce qu'il y a des moyens pour nous faire une révolution avec yo pour le moment j'ai dit non. Même si nous avons condition pour nous faire, faut nous chercher stratégie qu'il faut pour nous rapatrier souveraineté à même à 50-60% et de là nous comment avec garçon femme qui a un caractère et dignité et puis nous poser problème sociétal national là et puis nous poser problème dans la commencer résoudre pays. Moi dis pour tout le monde, américain avec Nations Unies, yo fait trop de tout. Yo rive en côté, yo pral fòmé a koul pa oui, y a fait nèg gen zam nan mais yo a fait la paix oui. Y a pouvè el yo oui, y a lancé son élection, y a fait élection, y a meton moun oui, y a filmé té moun nan. Si moun nan pas respecté pour bay ou tout ça gen en bas sous sol là, pour exploiter mine yo, pour prendre pays a fait salver ak économie pays a. Pour pays a sous l'obéissance yo, après 1 an et demi, 2 ans, y a créé crise même jan koba oui, rien pas résolu. Commissaire principal juridiction AKEA Monsieur Charles, gen plusieurs mois depuis le pas jamais mette pied dans commissariat. Coordonnateur général résistance pour développement AKEA Pierre Sauvenel Vilsain qui dénonçait comportement ça, mandé ensemble avec direction générale la police pour transférer pressé commissaire Sila et puis nommer un autre commissaire cap disponible pour travailler dans juridiction. Pierre Sauvenel Vilsain menacé yon levé campé dans commune si toutefois ça pas arrivé fait. Pascal Fleuristil a dit nous plus sous dossier ça. Depuis nomination dans tête juridiction AKEA, commissaire principal Joël Charles pas souvent mettre pied dans commissariat. Depuis quelque temps, commandant abandonné totalement commissariat, c'est inspecteur divisionnaire Harry François qui censé jouer rôle lié. Coordonnateur résistance pour développement AKEA Pierre Sauvenel Sylvain, longe doit sous commissaire Jaurès qui était dans tête juridiction Cabaret qui pas remettre rien. En plus, c'est sous les tout nèg examen prend contrôle sous matelas Titan et Aklafito. Militant quoi, commissaire Jaurès est venu avec un plan
cap pour AKE. C'est grâce à vigilance moun nan commune nan qui fait insécurité à pas déjà établi colli nan ville là. Plus loin, li longe doit sous commissaire qui impliqué nan plusieurs vieux actes nan commune Cabaret tant qu'ou vente te moun ak vann yon motocyclette yon citoyen te fait commissariat cadeau pour kembe sérénité nan juridiction AKE. Militant politique la mandé direction générale la police transféré pressé commissaire Jaurès et puis voyons l'autre commissaire dans commissariat pour venir travailler dans établi sécurité dans ville là dans cas ça pas fait. Pierre Souvenel Sylvain annoncé par une mobilisation dans commune là pour faire des voyous parce que plan macabre Jaurès là pas passé. Il fait connait tout commissaire Jaurès fait plusieurs malversations dans juridiction tant qu'ou changer en pile policier dans poste côté au tab bail résultat et puis transférer plusieurs autres. Suivant information nous fait confiance gain déjà disposition cap prendre dans direction départementale la police là pour voyons l'autre commissaire police dans juridiction AKEA depuis arrondissement AKEA Pascal Fleuristil TAC 509. Toujours dans rentrée dans pays mesdames mademoiselles et messieurs président conseil intérimaire commune Montrouya Élisée Blaise passé première nuit dans prison civile Saint-Marc mardi 11 juillet 2023 après audition devant juge instruction Francisco Mackenzie Beauplan dans quatre dossiers assassinat maître André Charléus. Élisée Blaise accusé comme monde qui était dans complot assassinat maître Charléus André qui était tombé en babal dans date qui était 12 avril 2023. Dans occasion commémoration population dans date qui était 11 juillet 2023 gouvernement haïtien ak partenaires yo lancé rapport sous état population mondiale là sous thème un horizon infini de possibilités défendre des droits et des libertés de choix document sous état avancement population mondiale là parlait sous 8 milliards moun k'ap vive sous la terre. Rapport ça exige dirigeant yo pour yo veiller pour citoyen yo en particulier femme yo pour yo pas libre dans choix y'a fait dans ça qui gen awe ensemble avec pouvoir faire petite. Nous invité ou coûter yon bout de déclaration premier ministre Ariel Henry qui était présent dans cérémonie si là. Ce document sur l'état de la population mondiale aborde différemment la présence des 8 milliards d'humains sur Terre et voit dans ce nombre un horizon infini de possibilités et défendre les droits et la liberté de choix. Au lieu de s'intéresser au rythme auquel les êtres humains se reproduisent, le rapport recommande aux dirigeants de veiller plutôt à ce que les individus, en particulier les femmes, soient libres de faire leur propre choix en matière de procréation. En Haïti, le programme de planification familiale, comme l'indique son nom, a toujours visé et vise encore à accompagner des couples pour une meilleure planification des naissances. Dans le pays d'Haïti, fait planning, voulait dire, permettre madame et Mario faire quantité petit ou vle, l'œil ou vle, l'œil ou senti ou paré pour ça. Le gouvernement haïtien prend note des différentes recommandations du rapport, à savoir l'adoption des politiques centrées sur l'égalité des genres et les droits, notamment des programmes de congé parental, des crédits d'impôt pour des personnes ayant des enfants, des mesures favorisant l'égalité des genres sur le lieu du travail, ainsi que l'accès universel à la santé et aux droits en matière de sexualité et de procréation. Certaines de ces recommandations sont déjà mises en œuvre. Le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, ainsi que les autres secteurs gouvernementaux, s'activent depuis de nombreuses années à inscrire dans les faits la parité des genres. À échelle réduite, certains programmes supportent l'autonomisation des femmes, le transfert de fonds à des familles vulnérables. Dans le domaine de la santé maternelle, des progrès sont notables. Avec la formation de sages-femmes et la disponibilité de soins obstétricaux et néonataux d'urgence sur l'ensemble du territoire. La population haïtienne est estimée à 12 millions d'habitants et la pyramide des âges montre qu'elle est constituée à peu près de 60% de jeunes actifs entre 15 et 64 ans, ce qui représente un potentiel énorme en termes de possibilités de croissance économique et qui pourrait constituer un véritable dividende démocratique.
La croissance de notre population entraîne pour nous des responsabilités. Cela fait plus de bouche à nourrir. Le fait que plusieurs millions de nos compatriotes ne mangent pas à leur faim et vivent dans l'insécurité alimentaire peut et doit être une incitation pour notre pays à produire davantage dans le secteur agricole. Il s'agit là d'une opportunité que nos femmes et nos hommes d'affaires doivent saisir. En investissant plus et mieux dans le secteur agricole, nous pourrons rendre un immense service à notre population. Pour saisir cette opportunité et transformer notre pays, nous devons obligatoirement parvenir à la stabilité politique. C'est un total de 12 millions d'habitants qui vivent dans le pays d'Haïti d'après statistiques pour l'année 2023. D'après le ministre de la Santé publique et population, Dr. Alex Larsen, qui était présent à l'occasion. Titile a mandé qui sa haïtien yo doué produit pour satisfaire besoin population, qui sa population a devenu s'il continue à augmenter, li kwè se yon nécessité pour système santé a mette en pile accent sou moun kap vive en coupe yo pour yo prendre disposition éclairée nan sa ki gen awe ensemble avec cause rapport sexuel pour éviter surpopulation. Alex Larsen te parlé nan micro TAC 509. Au premier recensement en 1950, la population était de 3 millions d'habitants. Au deuxième, en 1971, elle est passée à 4 millions, puis à 5 millions au troisième, en 1982, à 8 millions en 2003, estimée actuellement à environ 12 millions en cette année 2023. La population haïtienne soulève chez chacun de nous certaines appréhensions. Que produit Haïti pour satisfaire les besoins de tous ses habitants? Qu'adviendrait-il dans les 20 prochaines années si la population haïtienne continue de croître à ce rythme? Le rapport sur l'état de la population mondiale de 2023 nous invite à surmonter cet état d'anxiété en changeant de paradigme. Désormais, nos gestionnaires se demanderont plutôt si les Haïtiens, en particulier les femmes, sont libres de faire leur propre choix en matière de procréation. À cet effet, notre système de santé devra mettre davantage l'accent sur l'accompagnement des couples pour une prise de décision éclairée concernant leur corps, leur rapport sexuel, le recours à la contraception et l'accès aux soins de santé, sans oublier les coupes stériles. En outre, il devra s'efforcer de rendre disponibles et accessibles des méthodes contraceptives sûres et fiables. Que nous apprend le dernier rapport EMUS de 2017? Plus d'un quart des femmes, 26%, et 22% des hommes de 15 à 49 ans, actuellement en union, souhaitent espacer la prochaine naissance d'au moins de 2 ans. Parmi les hommes et les femmes de 15 à 49 ans, actuellement en union, plus de la moitié des hommes et près de 6 femmes sur 10 ne veulent plus d'enfants ou sont stérilisées. Dans l'ensemble, pour les hommes et les femmes de 15 à 49 ans, le nombre idéal d'enfants est de 2,8 en moyenne. Parmi les femmes et les hommes en union, ce nombre moyen n'est pas très différent, respectivement de 3 à 3,3. Pour les 3 années précédant l'enquête, l'indice synthétique de fécondité désirée était de 1,9 enfants. Nous avançons peu à peu vers la satisfaction de ces besoins identifiés. En effet, l'Institut national supérieur de formation de sages-femmes et son antenne dans le Nord mettent à la disposition du système de santé un nombre significatif de sages-femmes.
le recrutement et déploiement rationnel sur le territoire vont permettre de garantir l'offre en matière de santé sexuelle et génésique. Une deuxième antenne est prévue dans le Grand Sud. Le nombre d'institutions sanitaires offrant des services de santé reproductive augmente. En plus de ces interventions, la stratégie des soins de santé primaires retenue par le ministère devrait à moyen terme nous permettre d'améliorer la couverture sanitaire et favoriser un meilleur accès à des soins de santé centrés sur les personnes. Les deux ministères de la Santé et de la Condition féminine se rapprochent chaque jour un peu plus, car ils partagent en commun différentes thématiques. Citons-en quelques-unes. L'équité de genre, la lutte contre les violences exercées sur les femmes et les jeunes filles, l'autonomisation des femmes et des filles, la prévention des grossesses précoces, et j'en passe. Cheminons ensemble, nous irons plus loin dans ce combat. Je ne voudrais pas passer sous silence le travail formidable que réalise le secrétaire d'État à la population et développement humain et son équipe. Votre détermination et votre sérieux font bouger la ligne. Merci à notre fidèle partenaire, l'UNIFPA, qui supporte nos efforts en matière de population, de santé sexuelle et reproductive. Nous étendons ces remerciements à toutes celles et ceux qui contribuent d'une manière ou d'une autre au progrès de les domaines précités. Vive Haïti, dans l'union et dans la paix. Je vous remercie. Ti papi toujours là. Ti papi a posé question. C'est nous qui t'as supposé poser nos questions. Les dirigeants. À la traque dans le pays. Nous avons là tout l'ouvri, il va y avoir responsable dans le ministère de l'Éducation nationale et direction départementale éducation à Tibonite, plateforme communale, organisation communauté Tirivière la Tibonite dressé ensemble problème à calamité. Tout secteur Tirivière la Tibonite a fait face, sorti dans l'année 2017 pour arriver dans l'année 2023. Situation moun kap vive Tirivière la Tibonite vin pi compliqué à cause yon réseau association malfaite cap théorisé population. Désir Venesse, gen plus détail pour nous. Plateforme communale, organisation de base dans Tirivière la Tibonite, écrit ministre éducation nationale Nesmi Maniga yon mandel pou l'chita pressé à travers yon commission interministérielle pour pencher sous situation Tirivière la Tibonite kap vin pi difficile dans tout dernier jour. Yon mentionné c'est depuis dans l'année 2017 pour jusqu'à jeudi a question l'école dans Tirivière la Tibonite a fonctionné clopicopan à cause article 19 maman loi PIA pas respecté. Côté yo mentionné, selon article 19 maman loi PIA, tout moun gen droit pour yo vivre ak bon jan sécurité et jwenn côté pour yo dormi. L'état fait manger sous ensemble situation sa yo. Selon ensemble organisation yo toujours article 22 constitution bay droit pour ti moun yo jwenn bon jan sécurité pour ka recevoir peine de l'instruction pour y aller apprendre li ak écrit dans l'école. Malgré situation qui existait dans commune Tirivière la Tibonite, la police abandonné depuis janvier passé. C'est ensemble citoyen yo qui te chita ensemble pour réfléchir pour réussir année scolaire. Ensemble organisation yo mandé pour responsable éducation nationale là à travers commission qui a monté à pour gagner ministre justice et mener une enquête pressée qui ca permettre yo connait qui ça ca passer Tirivière la Tibonite tout bon vrai dans ça qui gagne rapport avec question insécurité à et ensemble organisation yo mandé après pour soumettre enquête là avec la presse et la police qui permettre la justice trancher sur situation qui existait dans Tirivière la Tibonite qui empêchait citoyen yo vivre tant que jan moun doit vivre à travers tout pays à selon yo situation qui traverse Tirivière la Tibonite là li difficile en pile yo mandé pour responsable yo penser pour transférer la police dans commissariat Tirivière la Tibonite qui ca permettre activité yo reprendre dans cité Créta Pierrot à Désir Venesse Tirivière la Tibonite cité Créta Pierrot tac 509. Madame, mademoiselle et messieurs, gagné juge Jean-Wilner Morin
auditionné mardi 11 juillet 2023 une autre fois encore ancien sénateur Nenel Kassi dans quatre dossiers corruption qui impliquait ancien directeur BMP de la Patrick Morame. Et bien après audition ancien sénateur a pas décidé de parler dans micro journaliste. Cependant avocat Li Jean-Ronel Français plaide innocence client lien dans dossier et fait qu'on est ancien sénateur a toujours été disponible pour la justice en nous coûtel. Nous avons toujours disponible, disposé pour nous. Mais pour le moment, c'est la phase de communication des documents. Pour le moment, nous allons nous remettre tous les documents que j'ai demandé. Nous allons analyser. Si à travers les documents, nous avons des bagages, nous comprendre, nous avons besoin d'explications, nous avons des cas de l'eau. Mais pour le moment, nous n'avons pas de relais. Nous confions, nous confions, nous n'avons pas de corruption, nous n'avons pas de droit. Le sénateur, c'est une équipe propre pour moi. Donc, il va dans la droite, il a toujours la justice. Avocat, il a toujours la droite. En parlant de la justice, il faut que je dise, hier, il y a un ancien sénateur, Anakassis Jean-Hector, qui t'a répondu une question. Juge Voltaire, dans le cadre dossier assassinat président Jovenel Moïse, m'a invité ou tant de déclarations après audition. Et pas ça, il y a un monsieur Renaud, il y a un monsieur Renaud. Eh bien, comme juge, Qui dossier, non? Non, juge, j'aime bien saluer les et puis je compte M. Renaud tout. Qui audition? Qui ça, l'audition? Comment on enquête sur le dossier assassinat président Jovenel Moïse? Je ne comprends pas, nous sommes dans les braves qui ont parlé tout à l'heure, qu'on y a ces au goût là. Au goût par contre, ça brave dit. Au goût par contre, ça brave dit. C'est brave qui. Bon, moi. Je suis chagrin. Je vais saluer de toi, Zamine Gela. Ok. Comment est-ce que tu as fait ça? Qui bagaille ça, on parle de papa? C'est pas ça, non. On parle pas de grand goût, peuple. On parle de grand goût. Eh bien, ok, Hector. Pas un problème. Ah, tu peux y garder volé, papa. Dirigeant collectif, avocat qui a défendu droit Mounio, Maître Arnel Rémy. Salier travail nouveau commissaire gouvernement Port-au-Prince, M. Jean-Edler Guillaume, a réalisé malgré faible moyen. M. Arnel Rémy, qui mandait l'État mettre moyen disponible pour faciliter travail commissaire et souhaite toute disposition prend pour mettre caméra surveillance dans l'espace ça, qui d'après lui a aidé à contrôle paquet à pi bien. De l'autre côté, responsable Kadoa, mandé commissaire gouvernement pour collaborer ensemble avec avocat pour travailler capable de faire pi bien. Entendez M. Arnel Rémy, qui est dans le micro TAC 509. Moi, je pense qu'il y a d'autres choses beaucoup plus sérieuses à régler. Et parallèlement, féliciter lui parce que moi, l'a dégagé pour faire travail vraiment, pour l'avancer, l'a dégagé pour permettre que la machine justice fonctionne. Nous avons souhaité que l'État accompagne lui. On prend par une génératrice parce que après les génératrices là, il y a presque 4 institutions qui sont là. Donc là, je pense qu'il faut que je supporte lui parce que là, il fait un travail intéressant. Par contre, il a organisé cette correctionnelle pour aller assister là, donc mon juger, etc. Donc nous avons dit que le commissaire, il faut beaucoup plus aborder. Dable aux avocats parce que les avocats se plaignent de tempérament parce que non plus l'avocat qui peut pas l'avoir pour exemple vous semblez pas l'avoir même m'abdouli comprendre donc penser que n'a continué supporter notre travail mais cependant mettez un peu d'eau dans votre vin parce que là travail à faire pas seul au café c'est tout avocat collaborer tout avocat pour faire ensemble avoir juste pour atteindre l'objectif ou besoin non pas des avocats non mais par contre des fois nous parlons qui mouche qui pique comprendre le tempérament ne plaît pas aux avocats donc on pense que mais parallèlement il fait un travail intéressant on va courager dans ce sens moi j'ai même toujours à parler de pour vous prendre disposition parce que je me suis dit à partir de mon cabinet, à partir de mon téléphone, moi qui a contrôlé le cabinet à l'homme la caméra, me demandais de suggérer ça pour utiliser des matériels technologiques de pointe pour ça, je pour contrôler l'espace, mettre des caméras de surveillance. Juste pour contrôler qui est-ce qui a entré et sorti dans le parc. Donc, si c'est ça, je pense que ça va une belle initiative et on n'a pas évité qu'un pilote dossier perdu. Bawo Port-au-Prince lancé officiellement à Yamadi 11 juillet 2023, première édition Foire Livre Gastronomie à Kilti. Il y a pour organiser dans la date 14 juillet qui a venu là.
Eh bien, objectif, initiative ça, c'est mettre en valeur avocat nan barou, mettre tout pour honorer un gros mapou nan monde culturel haïtien, qui se écrivé, composite ak artiste peintre Frank Etienne. Exposition livre, tableau, chant à karaté, c'est quelques activités qui prévoit dérouler nan occasion d'après maître Nathalie Wakam Cyprien, présidente commission qui a réalisé activité si là, fait qu'on est. Au menu, nous aurons des chants, des activités comme le karaté, l'exposition des tableaux et œuvres d'art, des livres et des livres dans des domaines variés. Et surtout, nous aurons aussi la gastronomie haïtienne. Nous invitons donc le public en général, tous les amants du droit, tous ceux qui aimeraient avoir une connaissance du droit, connaître ce que font les avocats en dehors des tribunaux et rencontrer aussi des avocats puisque c'est là l'occasion de pouvoir faire la rencontre de nos avocats sous plusieurs chapeaux. Nous invitons tous ceux-là à venir nombreux vendredi qui sera 14 juillet dès 9h du matin et l'activité se clôturera à 4h. Toutefois, l'activité est lancée mais durera tout le mois de juillet, ce qui permettra à tous ceux qui n'ont pas eu le temps de retirer leurs ouvrages ou bien d'acheter un tableau, de venir le faire. Nous aurons comme artiste invité un dinosaure de la culture haïtienne, un éléphant, que dis-je, une icône, en la personne de Frank Etienne. Je pense que ce serait une occasion pour nous de profiter de notre Frank national, qui est un homme d'une production et d'une dimension plurielle exceptionnelle, qui sera avec nous en personne, malgré son état de santé fragile. Il s'est engagé à faire l'effort et je vous invite à prier pour lui, pour qu'il puisse avoir toute l'énergie suffisante. Et nous aurons aussi à vous présenter ce jour, à la fois en sa qualité d'auteur, mais aussi surtout de mentor ou alors de modèle dans la profession, maître Léon Saint-Louis, qui se passe de présentation et qui est un homme d'une sagesse, d'une bonhomie, d'une gentillesse, d'une générosité débordante et qui sera avec nous. Et ce sera l'occasion pour les jeunes avocats de rencontrer des aînés, discuter avec eux, ouvrir des passerelles de communication et de collaboration. Et nous pensons que cet événement est un événement qui se veut aussi rassembleur. Doyen tribunal première instance Miragoâne, maître Gérard Nertilus, lance un appel bay différents acteurs dans chaîne pénale là pour yo respecter délai la loi bayo dans cadre traitement dossier détenu. D'après autorité a cap aider au combattre phénomène détention préventive prolongée dans juridiction. Doyen Gérard Nertilus te parle dans micro correspondant nous Henri Claude Clercin depuis Miragoâne. La chaîne pénale yo pour respecter le principe de séparation des juridictions, autrement dit, principe de séparation de fonctions. Ça veut dire. La Constitution de la police, mais comment? La police a 48 têtes dans l'arrêt de tout le monde pour les déférer. Le juge de paix a 3 jours. Si son délit, son crime, vous voyez l'embarquer, les dossiers arrivent l'embarquer. Le parquet, le commissaire gouvernement, tant que chef de poursuite, il a 3 jours pour les décider si c'est un délit qui connexe, si c'est un crime, pour le bailler informé, pour le dossier à l'instruction, et l'élever à l'instruction, à juge d'instruction, lui-même, lui, comme magistrat instructeur, il a un délai la loi Bali. Et l'en résumé, si tout délai ça est respecté, nous n'avons pas de détention préventive prolongée encore. Par quel bon juge son des jugements, donc, par quel lui-même son couloir qui permet que le dossier a traversé, donc, maintenant, de chaque acteur en chaîne pénale, respecter ça la loi, délai la loi, pour être capable de combattre la détention préventive prolongée. Combien de monde nous avons entendu pendant la période ça et qui l'a... Nous avons une cinquantaine de monde qui nous jugé. Mais qui l'a commencé Nous avons commencé hier, nous avons fini le 31 juillet. Le premier jour, tout le bagage. Tout le bagage, ok. Nous avons rappelé la population qui est sur le temps d'hier. Hier, c'était Frisnel Etienne, nous avons été condamné hier pour vol de véhicule
Et il a été condamné là en peine jusqu'à 4 ans. J'ai allé à 4 ans. Jodia, c'est Mackinson Leon qui a jugé pour pouvoir faire une tentative d'assassinat. Il est à présent. Oui, le César est à commencer là. Nous en plein débat. Mon la fin, hein, maintenant de tout acteur chaîne pénale, collaboration, yo, tout acteur chaîne pénale, maintenant de yo, pour nous rester attachés à la loi, pour nous appliquer la loi, pour nous respecter la loi. N'a traversé dans grand nord pays gay magistrat principal commune Limonade là Gessner Dieudonné joine libération lundi 10 juillet 2023 après plus passé 14 mois li passé dans prison au Cap. Magistrat Gessner libéré dans cadre audience criminelle sans assistance juridique côté tribunal là pas joine rien contre lui. Magistrat Dieudonné remercie tout le monde qui t'a accompagné pour joine libération ça. Guino Duvernay depuis au Cap, Abdi nous plus, sous libération, ancien responsable. Après 14 mois li passé dans prison, magistrat principal la commune Limonade la joue une libération. Après le défin passé devant tribunal, dans une audience criminelle sans assistance jury qui était organisée dans tribunal première instance dans la ville au Cap. Magistrat pas mettre dans la bouche li pour te remercier, famille. Li, autorité qui t'a accompagné. Mais le fait qu'on est, c'était une prison politique libre dans la prison civile au Cap là. Avant de me dire tout le monde, je remercie bon Dieu. Je remercie la famille. Je remercie la presse. Je remercie tout le monde sans distinction. Et même des gens qui m'ont pensé qu'il y a qui étaient compétiteurs, qui peut-être tout le monde considéré comme des adversaires. Je suis dans un gros combat pour me libérer, par rapport au travail qui m'a fait dans le niveau Limonade. Et ça qui fait un gros plaisir encore, c'est plaisir à l'église Adventiste Limonade, l'église Maranatha, un bon citoyen, toute autorité Limonade vient là, vient nous pour débarrer de moi. Je me remercie la presse tout parce que si la presse est mal, nous ne pouvons pas parler un peu sur le barré là. Peut-être son barré est caché parce que nous sommes 15 mois. Là, malade, pour l'instant malade. Et ça que je ne peux pas trop parler. Je n'ai pas mon petit temps mal à l'hôpital. Mais je remercie le créateur de l'univers. Je remercie tous les journalistes. Je remercie Maïstra, le président Diki. Je remercie nous tous. Et plusieurs autres monde. Parce que je ne peux pas citer pour l'instant. Différents monde, différents acteurs qui participent dans l'aider, dans le supporter. Et si je ne suis pas ça, je ne peux pas faire 15 mois là pour me battre parce que je suis depuis petit, je suis professeur depuis le 3e secondaire. Je suis plus de 30 années comme professeur, comme éducateur, sorti comme directeur à l'école Limonade, sorti comme surveillant général Limonade, sorti comme responsable à Croix-Rouge. Ça veut dire que je suis un tas de choses et communauté à rien même. C'est voter, c'est voter. Je vote, je prends mon mandat et je vais travailler. Je dis, qu'est-ce que je vais sauter? Parce que jamais apprendre, ville la salle, marcher Limonade salle, ça fait que je vais sauter. Parce que je ne vais jamais aimé pour pèlerin pour venir visiter Limonade, pour la place publique là, pour marcher, etc. Ça fait mal en ville. Malgré malade là, je me sens pour me vivre, si je ne suis pas malade, c'est tout de suite. Je vais commencer à marcher, je vais nettoyer la ville là. Parce que mon Limonade mérite plus que ça. N'a pas rappelé, magistrat t'a arrêté, il t'a acquis des associations malfaiteurs, détention, zamafé avec des basateurs terrain. N'a fait connaître 26 juillet, Kabini là, c'est pour le fête Grande Sainte-Anne dans la commune Limonade. Depuis Cap-Haïtien, Guino Duvernay pour Taxe 509. En tout cas, qui vivra verra. Mesdames, mademoiselles et messieurs, pour cette information, nous avons fait place à Sévère. Bonjour Foucault, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci. Nous avons poursuivi avec information. Nous avons un agent exécutif intérimaire Montrouillan, Blaise Élisée, qui est placé en garde à vue dans le commissariat Saint-Marc. Après audition, la M a dit 11 juillet dans le cabinet d'instruction, selon information. Il était auditionné dans le cadre d'un dossier assassinat avocat André Chaléus. C'est une nouvelle qui s'est cruisée dans Montrouillan, agent exécutif intérimaire Blaise Élisée, placé en garde à vue.
interview après juge là te fin tendel sous assassinat maître André Charléus. Maître André Charléus te mouri dans cadre yon embuscade après-midi mercredi 12 avril là, il était près plusieurs balles là sur route nationale numéro 1 après bandi te fin commettre Zaxila malfra yo te traîné cadavre victime là et puis mettait difé sous col. Maître Charléus te avocat qui t'a défend paysan Piatre yo dans conflit qui opposé à paysan ak yon l'autre groupe de moun dans quartier délugé qui trouvé la mon rue. Gen David Chéri, c'est non yon adolescent 16 l'année qui touye à coup de couteau grand frère li, Frenzy Nord, Bellevue, dimanche 9 juillet 2023. Drame sa fête nan Pont La Digue, deuxième section communale, Tigouave. C'est suppléant juge de paix Tigouave, nan Valenboin, Jasmin, qui te procédé à constat légal, cadavre victime nan. Dans l'hôpital Notre-Dame de Petit-Gouave, présumé assassin prend la fuite, autorité policière judiciaire a cherché. N'après tourné CEMAC, justice dans niveau juridiction CEMAC la condamné lundi 10 juillet à 8 moun qui accusé dans dossier assassinat pasteur Jean-François Jean-Pierre lui ak madame ni Luciane Lexinor lui individu sa condamné pour passer entre 3 à 7 l'année prison. Yon audience criminelle sans assistance jury te faite dans tribunal première instance à Saint-Marc là et l'itégain juge exhumé Fleurimont qui t'a présidé là accusé ou reconnaître yo coupable assassinat et puis association malfaiteur contre pasteur Jean-François Pierre lui ak madame ni Luciane Lexinor lui dans mon rue dans localité Souboy na date 8 novembre 2020 gagné Lubin Xavier alias Papilov ak Mackinson Prophète alias Rasta qui condamné pour passer 7 l'année prison. Gen Oris Wender ak Charlie Rosilme qui condamné pour passer 6 l'année prison. Gen John Duclerville ak Thomas Zama qui a gen pour passer 5 l'année en prison et puis Jérôme Nicolas à Isaïe ak Saint-Surin condamné pour passer 3 l'année prison. Gen agent police nationale d'Haïti qui procédé à arrestation hier mardi Rico Oscar li accusé parce que li violé yon ti fillette 4 l'année. 2 juillet passé à Nakati Belair qui trouvait le cap haïtien. Nouvelle là, c'est porte-parole à police nationale département Nola qui confirme. Inspecteur divisionnaire Harold Jean informé santé victime nan li amélioré. Li a recevoir actuellement soin dans un centre hospitalier. Et c'est ça, nous capable ba ou sous information. Ça à côté, un jeune garçon décidé violer yon ti fillette 4 l'année. Yon opération la police menait la cause gen deux présumés bandits qui boit glo bouche. La police menait opération ça dans localité crele Makimara dans la nuit 10 juillet ya, c'est agent brigade intervention commissariat Cap Haïtien qui menait opération si là. Individu ça fait partie yon réseau qui spécialisé dans voler moun selon commissaire divisionnaire Harold Jean. Porte-parole police là dans département Nord Pays dit déterminé pour mettre bandi yo qui a passé la Pérez dans mitan population pour capable stopper yo freiner zak yo. Tigam ainsi connu c'est non yon présumé bandi yo qui boit glo bouche weekend passé. On la loi ça te braqué yon policier qui échappé de justice. Yon zam ak substance qui assimilé ak marijuana, la police te rivé joindre sous li. Constat légal cadavre la te réalisé par juge de paix quartier Morin, Kosan Vio te remettre bay mairie. Gen direction générale PNH la qui fait connait gen 3 membres gang Canaran la police interpellé pendant une intervention qui te faite bon 11h30 nan matin nan li la voie 39 zone qui située dans commune Croix des Bouquets. 3 individus sa interpellé pour affiliation yo ak gang Canara. C'est Calix France qui fête 22 mars 1979 nan Ansa Foleur, Merge Joseph Hilares qui fête 24 juin 1989 nan Okaï ak Geoffroy Wilken qui fête 29 juillet 1983 nan Ansa Foleur. N'a noté individu sa ote non véhicule Mac Suzuki Grand Vitara couleur grise immatriculée BB 32146 année 2006. Toujours dans sa queue avec arrestation, la police fait amis internautes. Gagné un chauffeur, la police a arrêté l'ITG sous les 83 cartouches
ak 944,000 goud, la police arrêté nan Mirbalet. La police procédé ak arrestation nan savan la coupe yon localité commune nan Mirbalet. Chauffeur Jean-Baptiste Jean-Yvon ki gen 44 l'année. Pendant l'interpellation, la police a été joint sous 83 cartouches calibre 7.62 à 944,000 goud sous lit. L'interpellation s'est faite par la police suite avec un accident de circulation qui était fait dans niveau zone savane. La coupe, Jean-Baptiste Jean-Yvon qui a vive quoi des bouquets, était dans un véhicule marque Mitsubishi. Lorsque l'été frappé un chauffeur taxi dans cadre accident si là la police tabral fait fouille dans machine l'été tabral jeune 83 cartouches calibre 7.62 ak 944,000 goud. N'a noté qu'il y a un juge de paix qui était venu pour être capable de faire constat légal. Pour qu'on y a là, chauffeur Jean-Baptiste Jean-Yvon placé en garde à vue en attendant suite judiciaire nécessaire. Gen yon groupe ressortissant haïtien ki gen la dan ti moun ki rive nan Portland par bateau, pi précisément sou rivière Boston Beach à lundi après-midi. Yon bateau ki transporte 37 haïtien parmi yon 10 ti moun ki gen mwes paske 9 l'année ki akoste récemment sou kote Boston Beach nan Portland. Pou l'instant, raison présence sou li lan rete flou. Lorsque habitant yon te repéré voyageur sa yon sou rivage la, yon te rapidement alerté la police pou signaler incident sa. D'après sa, la presse locale rapporté. La police actuellement te prend en charge la situation. Haïtien te semblé en bonne santé, mais yo te plein à cause yo te souffri grand grand pile pendant voyage ça. Face avec la situation préoccupante ça, habitant communauté Boston te prend initiative pour bay manger, pour bay haïtien ça au manger en attendant arriver une équipe médicale. Nan prochain jou yo, autorité paroissiale yo prévoit interroger voyageurs yo dans l'idée pour comprendre circonstances arrivées et puis déterminer mesures appropriées pour prendre pour bien-être. Haïti a fait face depuis plusieurs années avec un pile défi économique, politique et social. Mauvaise gouvernance, régime en place là, insécurité avec la misère poussé un pile haïtien chercher opportunité meilleure l'autre côté. Gen dirigeant Confédération nationale vaudouisien yo ki prononcé sous conjoncture sociopolitique là pendant conférence de presse pour reconfirmer choix mettre Newton Saint-Just comme représentant secteur vaudou dans formation nouveau conseil électoral provisoire. Pendant nouvelle sortie médiatique ça dirigeant KNVA yo exprimé préoccupation yo par rapport avec insécurité, la vie chère et puis l'autre problème social de base yo. Pour yo même élection c'est voie royale pour capable résoudre crise multidimensionnelle Haïti a connait journée aujourd'hui. Dans sens ça, yo dit yo appuyer processus qui doit aboutir à formation yon CEP et puis réforme constitutionnelle. Avant yo prend l'autre chantier, Confédération nationale vaudouisien haïtien mande avec Premier ministre Ariel Henry pour opérer changement dans gouvernement actuel là pour incapacité et puis répondre avec défi pays qu'on connaît journée aujourd'hui. Dans niveau ça, et si petit secteur vaudouin dit prêt pour le partager bon côté l'autre sensibilité politique, responsabilité dans niveau pouvoir dans l'idée pour prendre initiative pour capable améliorer conditions matérielles existence peuple haïtien. Gagné responsable diverses organisations syndicales haïtiennes qui a fait qu'on est Rodolphe Pierre qui était passé dans ces pays gagné sans responsabilité leadership. Yo estimé en un contexte actuel payant trouvé les journées aujourd'hui, li important pour capable gagner dans nouveau ces pays garçon ak femme qui connaît fonctionnement appareil électoral là et qui capable lancer machine électorale là dans un meilleur délai. Plus passé 7 mois déjà écoulé depuis signature accord 21 décembre 2022 qui prévoit formation au nouveau gouvernement, mise en place un nouveau CEP d'après Satigram et la France qui c'est membre société civile asile rim fait connait. Vous dites Jean société civile organisée ak Jean Getty Bertrand. Yo affirmé yo soutenu Rodolphe Pierre dans CEP parce que sous liste personnalité qui appelé pour constituer collège électoral là Monsieur Pierre li démarqué à cause de notoriété li sans l'état li et puis proximité avec population. Nous-mêmes dans niveau département ni pays nord ak plateau central nous réclamer présence Rodolphe Pierre dans CEP parce que nous croyons dans capacité pour capable organiser bonne élection en deux pays.
Nous mandé avec le premier ministre Ariel Henry pour prendre mesi pour finaliser le processus là qui doit aboutir à la mise en place et payant une façon pour capable lancer machine électorale là qui a bien pour organiser prochaine élection. Yo prôné un élargissement au conseil transition qui a cherché pour capable faire passer temps pour justifier un coup d'état. D'après ça, responsable de l'organisation société civile là annoncé. Démarche pour mener une force militaire internationale dans le pays d'Haïti n'a pas abouti à, selon responsable ou avocat international, le maître Mario Joseph, qui fait qu'on est la difficile pour les États-Unis jouer un vote favorable pour force ça dans le Conseil de sécurité. La Chine a clarifié à campé en quoi d'après défenseur Douamouna qui fait qu'on est à cause de gain en pile d'informations sur ce qui a passé dans le pays d'Haïti avec un pouvoir gros poignette. Maître Mario Joseph rappelait la population bay signal que aucun résout de problème sécurité bon côté la police avec phénomène bois calé en côté Maître Mario Joseph. Bon, on pas abouti. Pas abouti parce que nous non l'autre et sphère géopolitique qu'il y a là. On pourrait et yo ka fait lui comme les États-Unis allé en Irak, yo ka venir sans que pas gagne autour pas gagne comme mandat de Nations Unies. Ça yo ka fait. Yo gagne pouvoir yo bay yo ka chez. Mais la très difficile pour qu'on vote dans le Conseil de sécurité pour venir à couler là. En jeu, il est clair, nous connaissons qui ça a été représenté tout, ou qui bataille qui vient pour Cuba et qui l'autre bataille qui a fait. Et pas oublier, les États-Unis et en Ukraine, et dans tout collé, la baille Ukraine, les armes, etc. Donc, ils ont même tout, ils ont besoin, il y a pas mec de, il faut un mec de les États-Unis, tout. Et pas parce qu'il y a Haïti bon, non. Le peuple a dû faire mouvement et organisation de base, et les avocats internationaux, un paquet de notre camarade, ils ont fait des mouvements. Il y a des gens qui ont parlé avec eux, il y a des gens qui disent mais ça va passer là. Et eux-mêmes, aujourd'hui, ils ont gagné de bonnes informations. Et nous voulons parler de la Chine avec la Russie. Ils ont dit pour question ça. Bon. Si le secrétaire général l'a rentré, le fait que vous voyez un Éric Vigny, ça veut dire bon bagay, parce qu'il va oublier. C'est ça les États-Unis, mais les États-Unis ont poussé. Les États-Unis ont joué, ils ont monté, descendu, ou tout le monde les États-Unis ont fait. Longtemps pas la faire. Les tableaux et ministres en Haïti en 2004, ils sont non badgés, ils ont voté, puis tout le bagage, tant qu'on couteau cap entré dans un nombre. Et des consultés. Donc je ne veux dire, ce n'est pas la même donnée, ce n'est pas la même bagarre. Et pour lui, je me suis obligé de venir. Il vient parler. Je ne sais pas ce qu'il faire. Je ne sais pas ce qu'il régler. Bon, parce qu'en réalité, les partis. Mais je dis, nous, c'est une honte pour les Nations Unies qui ont supporté une réforme constitutionnelle sans peuple. Ah oui, c'est le plan. Avec le conseil électoral, ils ne peuvent pas le faire. Et Mme Niga ne peut pas le faire en constitution. Et puis, sans voter, et puis, il n'y a pas d'adopter. Donc, c'est une honte pour les Nations Unies. Et il y a des gens qui ont pris le temps. Mais si vous avez ça, est-ce que vous pensez que la police a été sortie de la sécurité? Je vais répondre à une question. Je vais répondre parce que c'est un problème. Non, ça. C'est nous qui avons baptisé la question de la police qui n'est pas capable. À l'autre jour, là, où, qui n'a pas fait son baiser. Non, on m'a dit Mais pour qui? Pour, non, mais c'est le peuple qui a sauvé le peuple, oui. C'est le peuple qui a sauvé le peuple, oui. C'est pas notre monde, la police, c'est pas les missions Nations Unies, c'est pas oligarque, c'est pas Ariel, non, c'est le peuple qui se fait là. Et ça peut me demander, messieurs, c'est le peuple là pour aucun ménage. Alors, ouais, est-ce que les politiques ont été tout préparés pour pas dire dans bois calé? Bon, on a une situation exceptionnelle. Alors, nous d'accord, regardez, je vous dis, on est au pont toujours, mais messieurs, mais, écoutez, mettre là. Ça arrive, c'est après bois calé. Est-ce que c'est campé? Est-ce que c'est force qu'on a commencé pour continuer et bois calé, non, parce que c'est esclave mental, nous, donc, Mounio, il a tué, il a levé, réagir. Ne façon pas eux et puis nous dit l'autre nous pas vle nous dit c'est vengeance. Résistance pour Haïti a annoncé yo même tout y a planté piquette yo devant bureau premier ministre en 20 juillet qui a venu là pour parler sécurité à Didier Benel de son bilan zéro barré passage chef gouvernement en tête primatien insécurité grand goût misère ses caractéristiques pour voir ça d'après dirigeant politique là qui invité tout secteur pour te coller pour réussite activité ça en côté Didier Benel. Juillet à son rassemblement qu'a fait devant résidence privée Ariel Henry dans Michaud dans Delma 60. Moi qui c'est là donc même au niveau résistance pour Haïti avec ensemble de l'autre structure dans pays ensemble de l'autre citoyen on dit 20 juillet pour faire Ariel 24 mois dans 24 mois bilan
haïtien qui victime en d'un pays a même l'on prend première guerre mondiale ou prend deuxième guerre mondiale ou une plus haïtien qui victime pendant deux guerres ça et pendant 24 mois Ariel Henry à Romanes. Écoutez, c'est pas manifestation qui n'a fait, nous avons notifié la police côté qui n'a fait un rassemblement devant résidence privée Ariel Henry dans Misso et 20 juillet qui a fait Ariel 24 mois. Nous croyons que aujourd'hui 24 mois ça policiers, yo victimes, même gens avec 5 citoyens en dans société. Ya. Pendant 24 mois, ça, Ariel gangsterise pays à plus. Pendant 24 mois, ça, sous pourcentage, même les citoyens, yo à payer taxes normales à travers DG, à travers DC de l'autre côté. Et bien, pendant 24 mois, ça, Ariel mette ensemble des postes dans 4 coins pays à côté qui est un corps illégal qui a touché dans le monde. Ariel lui-même, il y a un pourcentage par là-dedans. Parce que je dis à quel qu'on soit citoyen, pour déplacer, quel qu'on soit coteau bralé, ou un corps taxe, il faut payer illégalement dans le lieu où tu as payé pour ne pas avoir droit pour passer. Mais si vous ne pas payer comme ça, ou pas de passer. Mais comme ça, Ariel, il y a un pourcentage là-dedans. Ou bien, ni nous-mêmes, comme citoyens, nous payons. Ni policiers ou tout le même, yo payer comme ça tout pour yo passer, pour yo rentrer la caille, pour yo payer comme ça pour yo passer, pour yo mener petit sur l'école, yo payer comme ça pour yo passer, pour y aller dans enterrement une famille, un proche qui mourit, yo payer comme ça pour y aller dans mariage, un ami, une famille, pour yo petit yo. Et je dis à toujours dire bon ensemble des jeunes. Qui en dans l'université comme jeune qui dit pas pour même des ménages, et bien là, Ariel fait kidnapper un d'un pays, yo violé au devant maman, yo violé maman devant petit, yo violé au devant Mario, et ensemble, qui tue tête, yo, qui suicide tête, et je vous dis, 20 juillet par Ariel, 24 mois en d'un pays, c'est 20 juillet policier, yo. C'est 20 juillet saint citoyen yo, c'est 20 juillet madame Sarah aujourd'hui qui pas qu'à prendre tête en machine, soit pour yo sortir dans le sud, soit pour yo sortir dans le nord, soit pour yo sortir à l'est, soit pour yo sortir dans le sud-est pour rentrer dans la capitale là. Et c'est 20 juillet tout employé l'état aujourd'hui pendant 24 mois qui pas touché. Et Ariel a eu plus passé 494 milliards de gouttes qui passent dans Mel pendant 3 budgets. Remaniement ministériel, monté KEP a pas fait opposition, ça fait bac sous bataille à mener pour changer pouvoir. Didier Benel minimise parole qui fait quoi, c'est celle communauté internationale là qui a changé Ariel. Pour dirigeant politique là, ces paroles restent avec Blanc qui contribuent à craser pays. En écoutant une autre fois Didier Benel. Pendant 24 mois que là, tout le monde constate qui ça que agenda Ariel là. Et ça que la peine pas tuer, ils ont même pour éliminer physiquement. Je ne dis pas quoi qui Ariel de faire remaniement, qui Ariel de monter CEP, et pas oublier Matelite même dans monter conseil électoral permanent. Il de monter plusieurs. Jovenel Moïse de monter plus passé 4 CEP en d'un pays à provisoire. Mais que je dis, monter CEP ou pas monter CEP, faire remaniement ministériel, mais il n'y a pas capable de changer conditions, il n'y a pas capable de physique, conditions sociales, conditions santé, conditions éducation dans le pays d'Haïti. Mais ça que vous avez défini, vous devez définir par rapport avec non seulement non Ariel qui a cité dans l'assassinat Jovenel, parce que d'après un paquet d'incapacité éditorial dans un ensemble de journaux américains, d'après la justice haïtienne, pas bien ni commissaire gouvernement Claude Belford, ni juge Gary Poirier, tout le monde a dit que clair et après l'aide qui a été fini écrit avec Digicel, il a certifié qu'Ariel était en communication serrée non seulement avec la guerre civile, qui est coordonnateur de sécurité dans le palais national, et c'est tout le temps en communication serrée avec Jovenel Badjo. Jovenel, est-ce qu'un citoyen capable de mettre dans la tête, on est qui participe à l'assassinat au président, Jovenel qui a prétendu qu'il va le commander pour le faire crédit, pour le faire élection pour vous, pour lui mettre dans le fond, il va là pour le questionner. Jovenel, ensemble, nous savons tout ce qu'on est. Son question de clientélisme politique qui est en Haïti, qui dépasse dans le pouvoir, bien qui est dans le pouvoir avec l'international. Eh bien, ensemble, nous savons tout prétendre qu'il va toujours mettre dans la tête, quel que soit ça pour faire dans le pays, c'est Blanc qui peut faire. Mais c'est ça que nous mettons toujours dans la population haïtienne avec des blancs. C'est le peuple qui a sauvé le peuple. Parce que je veux dire, discours qui est-ce qu'on nie? C'est le discours qui dit que c'est blanc pour ceci, c'est blanc pour cela. Et c'est le discours même ensemble de monde qui aujourd'hui est blanc lui-même, qui passe servir mais pas les servir avec eux, encore qu'il a pris la sanction contre eux. Et bien, ensemble, nous avons qui parle, l'autre sac parle blanc pour la sanction contre eux. L'autre sac parle que blanc mette au dehors eux-mêmes.
Maître Mario Joseph a critiqué l'opposition en Cap Paris pour manifester 20 juillet Cap Vinila, Cap marqué deux l'année sous Ariel Henry sous pouvoir. Responsable BAI en fait qu'on est opposition, ça n'a pas jamais arrivé en tant que sous en rien. Ils ont divisé, ils ont cherché intérêt personnel dans un pouvoir qui n'a pas même existé. Marché protestant au dimanche 9 juillet a prouvé population bouquet à pouvoir, mais ils n'ont pas fait opposition sa confiance qui ont même en panne stratégie pour chavirer Ariel. En côté, Maître Mario Joseph. Les affaires d'un pile monde qui ne comprennent pas. Au lieu que ce soit M. Kapdi ou pas dans le la Ariel 20 décembre, ou bien ça pas faire marche, yo tout son sérieux. Bon, c'est citoyen, ou bien de yo. Mais mon cher, c'est vraiment, et moi, c'est vel non boulé. C'est vel. Non, pas faire rien. Alors, qui Ariel nous a fait. Bon, Jean-Claude Duval était tout à Mada, il est venu, il est venu, il est fait aller. Alors, comment on connaît pas Ariel, pas la cavale. C'est des gens qui parlent derrière. Et job qui va faire ouais ou bien tout comme il y a l'enjeu ou l'enjeu est très difficile pour nationalement c'est pour mettre mon d'ailleurs on va dire et on va dire dimanche non ça et il y a l'autre monde qui va voter sans qui entre et parce que c'est match qu'a fait pour insécurité qu'a fait malheureusement protestant tellement vilipendé de tête on va pas voter rien mais quand même ils mettent mon d'ailleurs mais problème non. Yo quoi c'est yo même yo pas voulu mobiliser masse là yo pas voulu mobiliser moun yo voulu rester dans à barrière et puis c'est fini et comme si yo pas gain capacité yo pas gain mening pour réfléchir sur d'autres stratégies qui j'en pour mener et miner Ariel donc c'est ça aussi c'est oui mais Ariel lui même c'est force communauté nationale algérienne qui fait Attendez. Vous m'avez qui a qui ces jours-ci là. En pile, mon organisation là dit faut yo composer avec population. Monsieur a avancé déjà. Il va avancer parce que gagne des bouts là. Gagne tout. Yo mandé pour occuper. Il y a depuis en octobre. Il y a des associations à faire toute démarche. Il va arriver. Ça veut dire il y a des blocages que mon yo était capable d'utiliser. Mais entre yo parce que c'est gagne là dans yo là. Il n'y a pas qu'au même moment où vous voyez que vous avez dit que c'est quand vous avez dit que 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 vous avez dit qui clair, qui sulfure déjà, qui grisonne, et ma grisonne, c'est des gens qui fait 2004 et qui mènent non là tout. Ils ont dit, signé une lettre pour pas fêter 200 ans et indépendance. Ouais, c'est des gens que le peuple a suspendu, le peuple a pas la rue, a pas mis dans la rue. Peuple a été dans la rue. Problème non, c'est politicien ça, yo. Yo ouais, c'est nous on est intelligence peuple là. Moi même hier me tenant la rue, me garder et maintenant marche non. Dans la rue, me garder, moi ouais, moi gien des monde, moi les bon gien monde New York, m'aller ni dit non. Et c'est un bagage pour Haïti, mais papa, moi même pas protestant. Dit au sol faire un bagage comme ça. Donc problème non, nous pas comprendre. C'est nous qui baille politicien et des nègres qui besoin job, nous baille pas la parole pour parler, mais nous pas mander ça au fait. Et nous on questionne tout. Et qui m'a dit yo? Coordonnateur bureau avocat international, M. Mario Joseph, critiqué démarche qu'a fait pour retourner avec M. Bernard Séville comme doyen tribunal première instance en Port-au-Prince après le fin passé processus certification. M. Mario Joseph dit le pas saisi parce que ça fait partie coup d'État qui était porté à les Jovenel Moïse 7 juillet 2021. À travers démarche ça, l'été prévoit pour Bernard Saint-Ville rester comme doyen pour éviter certains gros dossiers assassinats avec la corruption tombée dans les juges qui partent dans ces collés avec le régime. Ça. En écoutant l'autre fois, Maître Mario Joseph. Si nous ne comprenons pas ça avec le coup d'État, et nous ne comprenons pas ça qui est basé. Son coup d'État qui fait. Nous ne pas affaire. Barala, c'est trois groupes qui l'a donné. C'est oligarque et qui pourrait plaindre pour Jovenel aux États-Unis. Parce que je venais ensemble des appétits intérêts. C'est PHTK, le groupe à Michel Martelly, avec tout oligarque Michel Martelly. Et puis les États-Unis. Parce que Ariel et Jovenel Tevin
indésirable parce que Jovenel a l'attiqué et Jovenel baille un ennemi Michel Martelly décharge. Et puis tout le monde a dit que la carrière, moi ça va intéresser. Son coup d'état parfait. Parce que le monde fait coup d'état et bénéficie de coup d'état. Et Ariel, tu es un conné, et c'est ça tout le monde a dit dans la tape un coup d'état. Et coup d'état fait, Josué Pierre lui, rentré dans le palais, bon, c'est le président, ça veut dire l'ordre du secrétaire général. Et parce que pas dans l'élection, mais tu es le président. Et budget doublé, tout le bagage, et a fait. Donc son coup d'état. Parfait. Et tout le monde s'est abroumé pour parler dans le tribunal, pour parler dans la prison. Donc, il y a trié juge. Et entre-temps, il y a coté CSPJ. Il y a utilisé, bon, normalement, c'est même équipe là, hein, l'on peut mettre KVS Jean. C'est même équipe là. Même équipe là, vous voyez. Donc, qui lui-même, dans CSPJ, il jouait parler. Et il y a des gens qui ont d'autres intérêts, oui, qui fléchissent. Donc, et il a privé mettre Bernard parce que il fait c'est pour ça parce que normalement Bernard a dû aller dans le coup d'appel mais le coup d'appel n'est pas utile et ça pas comprendre c'est ça nous pas comprendre dans coup d'appel il pas utile dans rien le coup d'appel c'est trois juges faut avoir tous les trois juges pour coopter aussi son juge ou pas faire rien mais la pitié là elle le con système non le con qui pour faire pour baisser tête qui gens pour organiser système non rentrer dans système non donc il pas de danger à personne et il a metté là pour le régler affaire et peut-être c'est le temps où Osmi l'a fait tout pour le venir et pour juge Bernard venir et pour que il dit jugement prend trop de temps et à dossier c'est nous qui pas qu'à comprendre que son coup d'état ou non coup d'état qui fait là bénéficiaire coup d'état gain et ça quoi. Il n'y a pas qu'à bailler mon Montana passé. Parce que mon Montana n'est pas qu'on les tenants, les aboutissants du coup d'État. Il n'y a pas qu'à bénéficier de votre coup d'État. Il n'y a pas qu'à venir jouer. Ça veut dire, c'est ça, nous ne pouvons pas parler, nous ne pouvons pas dire. Et nous avons passé sous côté, nous avons parlé de Bernard. Bernard, pas rien. Et Bernard, c'est un instrument. Et comme il était toujours hier pour PHTK, il a toujours rentré dans le même jouet là. Donc, il y a pas de permettre. Ensemble, parti avec l'organisation progressiste qui était signé encore 21 décembre, critiquer le gouvernement, ça, qui d'après lui-même pas pris rien dans le pays pendant la population a souffert. Et si tu as lancé un ultimatum, by Ariel Henry pour changer le gouvernement, ça qui paraît incompétent. Coordonnateur et secrétaire, et dire Jean-Louis Mandé, chef gouvernement, suspendre les populations dans farine à cause de remaniement, ça qui pas jamais atterri. En côté, et dire Jean-Louis pour plus de détails. Je dis à l'accord 21 décembre signé, on va les gens qui jouent à quoi ça. C'est le ministre, c'est le directeur général, c'est le conseil. Et après tout le monde, ça a eu une conseil, le directeur général, il a joué l'État. Il n'a pas réglé rien pour le peuple haïtien. Docteur Ariel Henry toujours dit qu'il y a une série de changements qui sont pour le faire. Nous, même dans la vie époque, nous tenons campagne à travers tous 10 départements pays. Nous avons parlé avec la population, nous avons parlé avec les paysans dans la section communale. Jusqu'à maintenant, quand on a parlé ensemble, il y a un Antiguave, un Okaï, un Miagouane, tout le monde. L'ONU a passé 4 juin, 5 juin, qui débalise tout le peuple haïtien à travers tous 10 départements pays. Pas de rien qui fait pour la population. Ça ça veut dire, comme nous sommes capables de dire ça, pour voir central là, nous ne pouvons pas dire tout. Je dis à Kazek à plaigner, magistrat à plaigner, et je dis à pas magistrat à Green Secure, non, parce que vous êtes des magistrats qui l'a personnellement, c'est aussi des magistrats, tout ça est en central Bayo, yo kebel. Soit il y a le Canada, il y a le en France, il y a le aux États-Unis, et puis problème pour le peuple haïtien. Et je dis à nous-mêmes, nous avons un message clair, nous avons besoin de Dr. Ariel. Et le message que nous avons besoin de Dr. Ariel, chaque n'a pas voyagé, il dit que l'Alvini l'a changé gouvernement. Et je dis à gouvernement qui là, qui est ministre, qui est conseil des directeurs général, il n'y a pas pour peuple haïtien. Parce que je dis à magistrat qui là, il n'y a pas pour peuple haïtien. Dans tous les pays du monde qui est en Haïti, tout le collègue des magistrats l'a respecté. Mais nous, je dis à nous, conseil des mandats, ils finissent, ils toujours campé, ils sont magistrats, et puis ils mettent les peuples dans la boue, ils mettent les peuples dans le grand goût, ils mettent les peuples dans le chômage, dans l'insécurité, et ils ont même encore des magistrats, ça y est encore, ils ont créé propre sécurité pour combattre le gouvernement Ariel Henry. Mais c'est dans ce sens-là, nous dit docteur Ariel Henry, il faut que parole ou ses convictions. Nous-mêmes, dans l'ensemble des partis à l'organisation progressiste, qui signent encore en septembre et 21 décembre, nous tendons au changement
cabinet ou gen pour faire. Je dis à question à poser pour qui ça changement cabinet ça pour qu'on fait. Nous tendons des bagages loi électorale et pour mettre sous pied. N'a demandé pour qui ça bagages ça pour qu'on fait. Et dire que pour qu'on fait là ou rendre Haïti dans grand goût, ou rendre Haïti dans misère, ou rendre Haïti dans insécurité. Et je dis à la pas personne qui est panier. Attends nous mêmes en soi. Moi, en étant que secrétaire général et pop, nous capables de dire pour toute population capitale nationale comme internationale, dans la radio, dans la télévision, dans le réseau social, nous sortir dans le silence nous pour nous faire correction avec ça, pour nous faire correction, parce que nous vivons dans le cadre. Gen office protection citoyen qui dénonce phénomène insécurité qui gen en d'un pays, spécialement phénomène kidnapping qui retourne. OPC mandé à responsable dans l'État pour prendre mesures nécessaires pour capable résoudre le phénomène ça qui passe suspend mettre de l'eau dans la population. En côté Raphaël Daniel qui c'est directeur communication OPC pour plus de détails. Je dis à leur kidnappé yon moun, un yon tire tout doua li, mais ça nous pas, ça peut-être que nous pas maintenant dit tout, c'est que mon nan li à la merci de mon nan qui kidnappe là. Ça veut dire que ou pas qu'on est, si c'est un monde fou, si c'est un monde qui sont dérangés mental que mon nan yé, ou pas qu'on s'est passé dans la tête mon nan. Donc, tu es à la merci de cette personne. Ça veut dire que ou pas qu'il y a aucune garantie, n'importe bagay qui arrive, c'est ça qui fait que dans le cas, là, on prend et filles comprennent que ils ont fait tout abus sexuel sur eux. Ils ont pris monsieur Opon qui c'est ils ont commis de l'État qui rend pays à service parce que c'est un ancien président CEP que lié. Nous pas chercher connaître pour quelle raison que ils prend parce que nous connaît déjà ils ont laissé aller. On laisse grainer de yon ensemble d'individus hors la loi qui gagnent des âmes dans mes yo et yon décidé mais qui ça pour que yon fait avec lui. Donc, c'est une situation que nous déplorons en pile dans le OPC et que nous avons demandé l'État, moun qui gagne responsabilité dans cet État, pour que yon fait bagay ça, suspend parce que la vie moun, c'est pas comme ça pour qu'elle passe dans un pays côté que nous signons des conventions et que nous prenons pour que doit moun respecter. Il y a M. Opon, mais il y a un pilote encore qui est dans le même cas et nous avons dit qu'il y a un regain. Il y a un recul parce que moun yo en temps et en population yo te décidé pour que yo te défende tête yo, mais nous il te gagné yon sorte de levée de bouclier qui était fait qui te mandé justement moun yo pour que yo te quitté que c'est les autorités qui te prend ça en charge ou en compte que population li contingent fait bac et puis subitement monsieur Axam yo bandi yo c'est comme si que c'est population que yo peur. Donc le yon moun tankou monsieur Opon qui c'est Marie consoeur nous qui a travaillé dans Vision 2000 n'a parlé de madame Marie-Lucie bonhomme. Donc ça a interpellé nous et ça a fait nous sentir tout degré de souffrance qui a traversé consoeur et en même temps qui a traversé toute l'autre famille que les gagnants amis et qui mettait tout dans une situation de peur et de peur extrême. OPC clair sous ça que je dis à demander encore une fois pour que l'autorité prenne responsabilité parce que nous pas qu'à continuer dans une société que nous voulons qui est une société de droit, et bien quitter que gagner des individus qui décidaient pour agir en dehors de la loi. Et yo a fait, c'est comme si vous sentiez que vous sentiez à l'aise, mais pour que vous fassiez ça que vous avez fait. L'idée parti gauche haïtien dénonce Zach kidnapping qui fait son ancien président KIP, Pierre-Louis Opon, Wilfried Michel réclamer libération sans condition et puis pressé. Dans l'idée pour permettre victimes aux jeunes familles d'ailleurs, Pierre-Louis Opon par Jouy Bonne Santé. En côté Wilfried Michel. Nous connaissons souffrance, madame Marie-Lucie Bonhomme. C'est une dame qui utilise la société haïtienne en pile, surtout dans le milieu de communication. Lié des sociétés, les former nous, les informer nous. Je veux dire, nous avons une grande souffrance parce que, premièrement, beaucoup de malfrats qui levaient madame, non. Mais grâce à Dieu, ils ont remis nos lits, ils ont retourné. Mais là, regardez, je veux dire, Marie l'a mené depuis quelques jours. Il n'y a pas de nouvelles Marie, il n'y a pas qu'à comprendre ce qui a passé. Il n'y a pas de messieurs qui kidnappés. Je veux dire, je pense que nous n'avons pas faire monde qui a même problème avec quoi souffrir. Son dame qui a formé la société depuis sa jeunesse. C'est que nous-mêmes, dans gauche Haïti, je dis, nous avons des populations haïtiennes et toute radio. Toute télévision, faut coude à coude, camper toute bagaille dans le pays si on ne pas libérer M. Opon.
nous pas faire Marie ici bonhomme ça. Non, nous pas faire ça. Faut qu'on ait monde qui s'ablé avec nous. Madame a souffri, petite a souffri, radio a souffri. À un moment ça va dire monsieur Abisseyo. Monde qui va nous amener c'est toi il fait nous. Il fait nous toi parce que fait petite pas nous pas à l'école. Il fait madame pas nous pas à sortir. Et monde qui va nous amener n'après petite parle l'école étrangère, madame parle dans l'autre pays. Je dis à rendre nos services, rendre Marie ici bonhomme. Service ça. Libérer Marie pour lui, pour Caraloso. C'est l'État qui crée mon saio. C'est l'État qui crée tout problème saio. C'est pour l'État à prendre responsabilité pour bailler Madame Marie, c'est bon Marie. Comment faire qu'on a vu nos sociétés? Qui côté pays a là pour qu'il d'abord pour l'État va connaître? L'État qui d'abord l'étranger, l'État a fait tout ça le connaître, libérer. C'est-à-dire que l'État qui d'abord petit pays a, ça va regarder l'État. Ça que nous-mêmes en gauche Haïti, nous dit population haïtienne, levez campé, faut coude à coude, supportez Madame Marie, c'est bonhomme, pour trouver Marie, pour Marie venir nous mener. C'est ne sauf, parce que je veux dire, nous ne pouvons pas souffrir pour l'État, parce que l'État gang ça, l'État piège ça, qui gangsterise au pays, qui fait que je veux dire, le ministre de la Justice a dit, que le territoire perdu, pas que le territoire perdu pour la population haïtienne, faut nous faire tout ça nous connaît pour nous libérer M. Oppo, pour Madame Marie, c'est bonhomme, qui a pris une communauté au service, depuis sa jeunesse, lui rend toute ville, pour servir communautaire, nous formez-nous, informez-nous, je ne vais pas faire ça comme récompense. Monsieur Rapiseyo, fais ça pour le pays, fais ça pour Gauche Haïti, fais ça pour Madame Marie-Lucie Bonhomme, pays, va prendre note parce que c'est l'État qui a gagné le problème, ça, qui fait qu'il y a pile d'hommes aujourd'hui, nous devenons gang, et pas ça nous devient comme vision, nous, c'est l'État qui fait ça, qui l'État qui rend nous invivable, qui est un pays invivable, Gauche Haïti attendait libération, monsieur au pont, rapide au presto. Monsieur Ariel Henry, ou même comme je dis à qui ministre, qui président, qui dit que le général de la police, qui tout le bagage dans le pays, fait tout son corps pour remettre Madame Marie, c'est bonhomme Marie. Et si on fait ça, nous allons lever le cabinet dans tout le pays pour une libération, monsieur Opon. L'autre dossier dans le journal, il y a 4 nouveaux officiers cadres qui prennent intégrer force la médaille après avoir fait suivre formation dans le pays Argentine. Ça, c'est un ingénieur civil, un architecte, un dentiste et un licencié dans la communication, d'après le directeur cabinet. Ministre de la Défense, Harry Toussaint, qui fait qu'on est 4 officiers sérieux pral renforcer l'administration FADH là et gagne l'autre officier qui pral bénéficier de formation dans le pays étranger. En côté déclaration Harry Toussaint. Ce sont des professionnels, gagne qui sont un dentiste, gagne qui sont un architecte, gagne qui sont un ingénieur civil et un licencié en communication. 4 nouveaux officiers sérieux, ils pral renforcer structure administrative Force Armée d'Haïti, de telle sorte que l'armée a connu capable et en lui-même prend soin de soldats. Donc, il fait rentrer et il est avec nous là. N'a pas accueilli, on a dit merci de ce que vous voulez entrer dans Force Armée et pour venir servir le pays. Et on a remercié tout le monde qui vient accueillir. Qui commençait à Nessa et qu'à poursuivre pendant au moins 5 ans. Chaque 4 mois, nous voyons un groupe, mais gagnent tous des officiers et cadets qui ont même passé 4 ans école militaire. Donc, ils ont même beaucoup fini, c'est ça qui fait qu'ils ont beaucoup retourné. Donc, coopération avec l'Argentine, c'est une coopération assez nouvelle, et coopération ça, nous voyons qu'elle commence à porter des fruits. Même gens avec plusieurs autres coopérations que Force Armée d'Haïti, ministère de la Défense, gagnent avec plusieurs autres pays. Et actuellement, nous gagnons 5 officiers cadets qui sont en Argentine et nous gagnons 4 qui sont partis dans fin mois. Et oui, et tout le monde connaît que nous avons une relation de longue date avec l'Équateur et la majorité non officiers et soldats qui gagnent dans le corps du génie et Force Armée d'Haïti, c'est les soldats de l'Équateur qui ont été formés en Équateur. Et nous gagnons tout une coopération depuis à peu près 4 ans avec le Mexique. Les mêmes tours, c'est une coopération excessivement fructueuse. Les aider nous former ici en Haïti 250 soldats qui était dans la première promotion que nous avons les promotions en Akaona, ils ont formé pour nous à peu près 50 moniteurs et instructeurs et ils ont 150 autres soldats qui ont pris formation pour rejoindre l'unité de garde nationale. Et
dans fin mois d'août là, nous gagnons à peu près 150 soldats capati qui pour aller spécialiser dans divers domaines particuliers drone et infanterie. Médecins sans frontières annoncé li campé toute activité yo nan tabac après nèg exam té rentré dans l'hôpital et puis prend un malade pour touyer. Maman Bacha Iwo qui c'est responsable MSF en Haïti dénoncé situation ça côté le fait connait c'est pas première fois genre de situation ça yo a privé en côté déclaration. Effectivement, on a publié un communiqué de presse qui fait état de suspension de nos activités à tabac. Hier soir, aux environs de 21h, on a reçu à l'hôpital de tabac un blessé par balle qui s'est présenté spontanément. Donc du coup, par rapport à lien avec la gravité de sa blessure, on l'a mis directement au bloc pour faire son intervention chirurgicale. Aux environs de minuit, le chirurgien avait fini l'intervention, le patient était encore au niveau du bloc. On a eu une intrusion en fait d'une vingtaine d'hommes armés et cagoulés qui sont venus rentrer jusque dans le bloc opératoire pour sortir et s'en aller avec le patient. Affirmative, ils sont partis avec le patient alors même qu'il venait juste de subir son intervention chirurgicale, il était encore au bloc opératoire. Si c'est un patient, il s'est présenté spontanément, il est enregistré comme tous les patients. Il est enregistré au niveau du registre réception. Il a été reçu et fait tous les examens complémentaires en fait afin de subir l'intervention chirurgicale. Oui, ils ne sont pas nouveaux. Il y a eu une ou deux fois au niveau de l'hôpital Raoul, donc qui a conduit à la suspension de nos activités. Mais au niveau de Tabar, un tel incident en fait c'est la première fois qu'un groupe armé fait intrusion jusque dans le bloc pour prendre un patient. Merci Sévère. La santé c'est richesse. Li important chaque matin pour boire yon verre de l'eau et non seulement ça tout pour faire 10 minutes marcher. Pour ça qui gen awe ensemble avec Cause Sport, on nous fait place ensemble avec Jonathan Charles. Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est toujours un plaisir pour nous capable servir dans rubrique sportive ça avec Jonathan Charles lui-même qui a présenté nous li. Actualité a, c'est pour la Coupe du Monde bon côté mesdames 2023 qui est pour fête sorti 20 juillet pour arriver 20 août dans deux pays Océanie et Isaïe. On a parlé de l'Australie ensemble avec la Nouvelle-Zélande. Il y a un sélectionneur haïtien, on a parlé de Nicolas Delpine qui a entraîné sélection mesdames senior. Là, il y a monsieur lui-même qui dévoilait liste 23 joueuses qui pourra jouer Coupe du Monde ça. La balise là en détail avec Dosa Jrosio, trois gardiens yo, Kerry Teus, Dosa 1, Naomi Amboise, Dosa 12, Lara Larco, Dosa 23. La balise reste l'isla par Dosa respective, Joanne Chelsea Chopri, Dosa 2, Jennifer Rimage, Dosa 3, Tabitha Joseph, Dosa 4, Mouril Moudlin, Dosa 5, Melchi Dahel Durmoné di Coventina 206, Batsheba Louis 207, Daniel Etienne 208, Jointo Cheryl Jeudi 209, Nerilia Mondésir 210, qui t'a trouvé pour tes bras capitaine, Roselyne Eloisin 211, Nabjointo Bettina Petit Frère capote 212, Joseph Esterikov 214, Darlina Joseph 215, Milan Pierre Raquel Jérôme 216, Schwedensky Marcellus 217, Noa Gantier 218, Diana Pierre Louis 219, Joanne 221 c'est Kitna Louis, Rutni Mathurin 221, Roselor Borjula 222. Voilà, c'est 23 joueurs qui pourraient jouer pour sélection haïtienne. Bon côté mesdames, c'est pour la première fois sélection haïtienne les mêmes bon côté mesdames pour jouer Coupe du Monde et dans l'histoire. Et c'est deuxième fois si regardez dans toute histoire football haïtien. Nous songez première fois c'était dans l'année 1974 les sélections haïtiennes ont remporté Coupe des nations dans zone CONCACAF là il était qualifié pour un seul billet était disponible dans zone CONCACAF là et qualifié à jouer la Coupe du Monde. Mais là nous voyons 49 ans plus tard mais c'est mesdames qui veulent jouer la Coupe du Monde
yo tombé dans même groupe face l'Angleterre, y a bien pour jouer premier match le 22 juillet k'ap vini là, y a bien pour jouer tout face le Danemark, y a bien pour jouer tout face à sélection chinoise là. Déjà nous souhaiter succès ensemble avec sélection haïtienne là. Si nous regardons quelques joueuses qui parlent là, nous connaissons Claire Constant, pardon, lui-même qui a route pour 6 prochains mois en raison de blessures. Et Claire Constant lui-même n'est pas là, c'est un gros absent. Nalissa, Jacques Dédien, à cause de blessures. Coupe du monde là qui a privé dans 3 jours seulement. N'a pas rappelé dans 2 pays là, c'est l'Australie qui s'est plus gros îlé et dans le monde là, ensemble avec Nouvelle-Zélande. Deux pays dans le continent océanien. Si vous même capable de recevoir la Coupe du Monde, il y a un décalage d'horaire au moins de 14 heures du temps entre Haïti en face avec nation Océanie. Donc là, match même qui prend un indigène délicat pour bon côté Haïti. Nous avons quitté le dossier sélection haïtienne. Bon côté, mesdames, nous allons parler de la Gold Cup 2023. Quelques plans lui-même cap avancé directement au stade des demi-finales et demi-finales cap commencé jeudi hier a bien 2 matchs cap joué dans stade Allegiant Stadium là lorsque ce match football là pour recevoir le Québec 61 000 moun lorsque la pour recevoir NFL il a équipé plus que 65 000 moun stade ça dans ville quartier Paradise dans ville Las Vegas et même qui dans état Nevada c'est vraiment un très 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 bel stade. Premier match là, l'a joué à 7h30. Les États-Unis, pays organisateur, pral jouer face à sélection panaméenne. Si nous avons regardé dans l'histoire de nation, ça a joué 25 matchs déjà. Première fois où il a joué, c'était 14 juillet 1993. L'a joué Gold Cup dans le groupe A. Match là, a joué dans la ville Dallas qui n'a état Texas. Les États-Unis te battent Panama 2-1. Et si nous regardons la dernière fois deux équipes qui ont joué, c'était match aller-retour et dans l'éliminatoire Coupe du Monde 2022. Match aller a été joué 10 octobre 2021. La caille sélection panaméenne dans la ville Panama City. Panama te battent les États-Unis 1-0. Et match retour a été joué 27 mars 2022. Dans la ville Orlando, les États-Unis ont écrasé Panama 5-1. C'est la dernière fois depuis ça même ils ont joué. Si vous regardez, Panama font une grande victoire seulement, s'il vous plaît. Ils ont battu 15 et 6 matchs nuls qui ont enregistré 17 victoires pour la sélection américaine. Nan. Et Yankee ont même qui battu 47 pour la sélection américaine. Nan, les mêmes qui vraiment abdominé débat. Face sélection panaméenne et deuxième demi-finale là c'est prêt à 10h. Reggae Boys n'a parlé de Jamaïque pour jouer face à sélection mexicaine. Si nous regardons la première fois d'équipe ça a été joué, c'est en 28 mars dans l'année 1963 et ça c'était Coupe des Nations de la CONCACAF 1963 dans le groupe de Ya Mexique s'il vous plaît qui était écrasé Jamaïque, qui passé de sévère 8-0. Ouais, c'est laminé Mexique, c'est laminé sélection jamaïcaine. La dernière fois où tu as joué, c'était dans Gold Cup 2017. Reggae Boys a créé sensation le 23 juillet 2017. Jamaïque a battu Mexique 1-0. Bilan, c'est 26 matchs. 4 victoires pour Reggae Boys. Reggae Boys, c'est la sélection jamaïcaine. Il y a 13 goals et 3 matchs nuls. Il a fait 19 victoires pour la sélection mexicaine. Il y a fait 68 goals. J'ai eu un appel à de demi-finale, c'est pour le jeudi même qui a joué à 7h30. On a rappelé les États-Unis pour jouer face à la sélection panaméenne. Et à 10h, on a joué Jamaïque pour jouer face à la sélection mexicaine. Avec dernier fossa, on a mis fin dans la rubrique sportive là. Pour jeudi, on a rappelé c'est Jonathan lui-même qui t'a présenté nos rubriques sportives là. Et au prochain rubrique sportive, c'est pour le pour yon l'autre ensemble avec toujours Jonathan Charles. Moi je merci parce que t'as suivi avec attention, merci pour fidélité ou ak patience ou. Moi pral m'ap kite ou nan bra papa manje parce que c'est lui même celle qui capable protéger ou ba ou la vie ak la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde, non pas m'se Foucault, n'ap croisé pita pour yon l'autre vidéo. Bisous, bisous, one love.